Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien ce soir! Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de Pokémon en vrai de vrai. Donc là ce soir, on a décidé d'en faire du coup. Que je vous allume l'Over Media. Let's go! Mais ce soir, du coup, on compte faire du Pokémon du coup parce qu'il y a une nouvelle version qui est arrivée récemment. Donc en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une mise à jour récemment qui a été faite sur Pokémon Écarlate et Violette par rapport à deux nouveaux paradoxes, donc Serpente d'eau et Ver de fer. Donc deux nouveaux paradoxes par rapport à Viridium, normalement de Noir et Blanc, et de Suicune. Donc en vrai, j'avais envie de tester, j'avais envie de voir ce que ça donnait. Et let's go pour voir ce que ça donne en vrai. En vrai de vrai. Parce que là, nous, de notre côté, on est juste curieux. J'avais déjà commencé vite fait à faire le Serpent de Fer. Je n'ai pas fait le Viridium parce que j'ai pas eu le temps. Il a l'air d'être plus chaud à faire. Mais dans tous les cas, on va faire les deux. Et voir si on peut pas en capturer 3-4. Parce qu'en plus, c'est un event. Donc, on ne sait même pas si on peut en capturer plusieurs ou autres. Mais voilà. J'étais en train de garder mon chat parce qu'il est en train de miauler, je sais pas pourquoi. Comme d'habitude, il est derrière en train de miauler. Et là, il est parti se planquer. Mais il miaule pour rien en ce moment, je sais pas pourquoi. Et regardez, il continue à miauler. Attendez. Il miaule pour aller se coucher juste à côté, c'est débile. C'est débile, c'est mon chat. Mais bon, moi il commence bien le live. On a vu aussi qu'il y avait du contenu téléchargeable. Alors attendez. C'est quoi le contenu téléchargeable? Le trésor enfoui de la zone 0, le max turquoise et le disque indigo. Alors, voir les éléments inclus de l'achat. Bel uniforme printanier, bel uniforme estival, automnaval. Oh, il y a l'air d'avoir des nouveaux uniformes, c'est cool ça. Ah, par contre, ouais. Ouais, non, non, attendez. On va voir ça plus tard. Mais du coup, il y a l'air d'avoir des nouveaux trucs, en tout cas, ça c'est cool. Lancement en plein écran, bien sûr. Par contre, je vois, j'ai pas les bons hashtags, alors attendez, je vais juste modifier ça. Alors, ça c'est bon. On peut mettre ça, on peut mettre ça. Voilà, arrêtez de gueuler. Voilà, là on a les bons hashtags. Normalement, ça devrait être bon, en toute logique. Voilà. Quand on se connecte. Du coup, on voit, il y a une nouvelle histoire commence avec le prologue donc, de Paldea. Donc, il y aura un prologue de Paldea, compétition interne. Ok. La saison 2, normalement, est déjà terminée, skip. Mais attendez. C'est quoi ça les Paldea prologue? Compétition interne. Une nouvelle histoire commence avec Paldea prologue. Préparez-vous au combat. La toute première compétition interne. Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Paldea prologue démarre bientôt. Donc, du 27 février au 12 mars. Donc on est dans la période. Période de compétition donc vendredi 10 mars au 12 donc prochainement ok vous pourrez vous inscrire pour participer à cet événement jusqu'à l'inscription jusqu'à la fin de la compétition cette compétition se déroulera en forme combat duo et seuls les Pokémon en duo
du Pokédex de Paldea, ils seront autorisés. Vous pourrez ajouter un Pokémon spécial Coraidon ou Miraidon à votre équipe. Ok. Donc on regarde les Pokémon autorisés. Ouais, donc que je regarde. Ok, en fait ils sont tous autorisés. Les formes de Paldea, de Tauros, pareil. Motisma en toutes les formes, ok. Oh putain, Super Dauphin aussi est autorisé. Même les Paradox sont autorisés, ok. Ouais, donc vraiment tout le Pokédex en question. Ok. On va marquer conditions d'utilisation, un seul compte d'utilisation par jeu. Pokémon Carrette et Pokémon Violette et par console Nintendo Switch peut être inscrit. Votre compte Nintendo est lié à des comptes d'utilisation sur plusieurs consoles Nintendo Switch. Vous ne pouvez pas participer avec un compte d'utilisateur et une seule console par version de jeu. On s'inscrit ou pas à ce truc de... On peut s'inscrire en vrai. Donc affronter serpent d'eau et vers de fer. De nouveaux paradoxes arrivent jusqu'au 12 mars. Ils sont arrivés pour l'instant. Donc jusqu'au 12 mars, ils sont présents. Serpent d'eau apparaît dans les raids Terre et Cristal de Pokémon Écarlate, tandis que vers de fer apparaît dans les raids Terre et Cristal de Pokémon Violet. Les Pokémon paradoxes ne sont normalement pas présents du Paldea. Ah, par contre. Paradoxe, je suis un peu déçu de ma part parce que j'ai oublié un E et du coup ES parce qu'il y en a plusieurs. Voilà, ne sont pas normalement pas présents de Paldea. Pendant ces événements, Serpent d'eau sera doté de type Terra Crystal O, tandis que Vert de Fer aura le type Psy. Faites équipe avec vos proches pour attraper ces Pokémon récemment découverts et originaires de la passe antique et de loin futur. Pardon. Ok, donc comme vous pouvez le voir, vraiment ça prend tout. Nous on l'a déjà capturé. Tandis qu'il y avait aussi Vert de Fer qu'on n'a pas encore capturé, donc on va le test ce soir. Donc ça va être cool. Par contre. Dans le 4, ok. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'entends un mec en train de parler? Voilà. Je sais pas pourquoi j'entendais un mec parler, mais ok. Ça me paraît bizarre. Ah, ok. Au moins, ça apprend un petit peu plus. On avait déjà capturé le... Alors, attendez, c'est quoi ça? Ok. Faudra pas j'oublie qu'on est toujours en chat shiny, faudrait qu'on les termine d'ailleurs. Sachant qu'on comptait qu'à avoir le tout Pokédex confondu en shiny. Voilà. Boîte. Comme je vous l'ai dit, j'en ai déjà capturé un. Ils sont là. On va les foutre dans la boîte 25. En toute logique, il n'y a rien. Par contre, ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai pas de description des Pokémon. S'ils apparaissent même pas dans le Pokédex, c'est en fait de Paldea ou quoi que ce soit. Comme vous pouvez voir, Serpent d'eau, il ressemblerait à ça. Donc ce serait un dragon haut, Terra Crystal haut, donc facilement abordable. Polysynthèse, quand le soleil brille ou que les Pokémon tient un capsule d'énergie booster, sa stat la plus élevée augmente. Quel enfer. Mais vraiment quel enfer ce Pokémon. Il a l'air de se jouer à attaque spé. Hein. Attaque spé vitesse. Parce que attaque il a moins de... Alors le mien,
Il est quand même jovial, donc pas de la bonne catégorie, donc il est augmenté en vitesse attaque. Mais il a l'air d'être très très bon en vitesse, très bon en attaque spé, en tout cas le serpent d'eau. Donc à voir ce que ça donne plus tard. Est-ce qu'on aurait la description de serpent d'eau? Moi de mon côté je vous mets sur ça. En plus ils ont mis serpente eau, donc au féminin. Et pourtant il n'a pas de sexe, hein. C'est ça le pire. Hein. Ok, man, est-ce qu'on a une information dessus? Alors, que je regarde. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations dessus. Alors, serpent d'eau. Ce Pokémon n'apparaît dans aucun Pokédex régional. Oui, ça, on est au courant. Taille 3,50 m, ok. Ouais, pas inconnu. Sexué, ok. Physionomie et attributs serpent d'eau et un Pokémon pressentant les simulations avec Suicune. C'est une créature bipède de couleur bleue avec des taches blanches et une crinière violette enveloppant tout son cou. Le serpent d'eau rappelle le croquis d'un Pokémon chimérique dessiné par un membre de l'expédition de la zone 0 dans le livre d'Écarlate. Ah ouais? Donc il sera Shiny Log, donc on ne pourra pas l'obtenir en Shiny. Ok. Donc pour ceux qui le voient en Shiny, dites-vous que c'est un crack. Parce que du coup il est Shiny Log le Pokémon, donc ouais. Il n'y a pas de description, rien. Par contre, on voit qu'il peut avoir certaines attaques, donc il a des attaques de feu, des attaques eau, dragon, ténèbres aussi. Ok, sympa. Et ses stats globales, je suis en train de regarder, donc il a 99 PV, attaque 83, tandis que attaque SP 125, défense 91, défense P 83 et vitesse 109. Donc ouais. Donc ce serait plus un Pokémon attaque spé vitesse comme on avait dit tout à l'heure. Ok. Ah mais c'est bien de savoir ça. Salut à toi Simon Aigle. Salut à toi. Comment vas-tu? Du coup pour le serpent d'eau, il a pas de description. C'est dommage qu'il y a. Du coup, il n'a pas été rajouté dans le Pokédex vu qu'il a aucun Pokédex. En gros, ce Pokémon n'existerait pas en toute logique. On est en train de voir ses stats, donc bien attaque SP. Il a beaucoup de PV quand même, mais du coup, il est bien attaque SP vitesse comme on l'avait bien dit. Par contre, ses deux faiblesses, ce serait juste Dragon effet. Même s'il est haut, l'électrique en fait n'aura pas d'effet sur lui, d'après ce que je vois. En gros, un quart sur feu, un quart sur électrique, enfin sur eau, électrique 1. C'est bizarre que électrique ça fasse que 1, mais après, oui, c'est parce que c'est dragon aussi. Je vais bien, merci. Tant mieux si ça va bien! Mais en vrai, oui, non, mais même je comprends pas. Ah si, c'est normal que ça fasse 1 sur 2. Mais pourquoi électrique ça fait que 1 en. Ça fait pas super efficace. D'accord. C'est assez intéressant de savoir ça, en tout cas. Est-ce qu'il a d'autres talents que celui qu'il peut avoir? Donc, ouais, non, il peut avoir que polysynthèse. Que polysynthèse en termes de talent. D'accord. Et du coup, le deuxième qu'on va faire... Alors, le deuxième qu'on va faire, il faudrait qu'on trouve le moyen donc, de le faire plus facilement. Mais attendez... Pokéball. Moi, personnellement, je l'avais fait pomme de fer, donc en vrai, c'est très rapide. Ah, la bonne humeur ici, bah bien sûr, toujours. Mais par contre, vert de fer, je sais pas comment le faire parce que. Alors déjà, oh,
punaise. J'avais pas fait gaffe, il y avait des épices sucrées. Vraiment, je les fasse. Vraiment, je les fasse aussi. Il y a les épices sucrées aussi. Pour ceux qui sont bien sûr nouveaux hein, sur la chaîne, n'oubliez pas que sur le Discord, on avait fait toutes les recettes pour les épices, etc. Donc, pour savoir quel Pokémon donnait quoi comme épices, combien de pourcentage et autres. Donc, faites attention quand même, les 5 étoiles donnent pas la même chose que les 6 étoiles. Pareil, on avait fait aussi les tests recettes, donc 270 tests recettes. Donc, n'hésitez pas, on pourra faire plus facilement les shiny. Mais ouais, ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait pas fait de Pokémon. Là sur le coup, ouais, quand on avait vu l'annonce comme quoi il y avait les paradoxes qui étaient de nouveaux paradoxes qui arrivaient, en vrai, on s'est précipité de le faire. Par contre, pour le prochain, tu parles à qui? Je parle un peu à tout le chat en fait, tout simplement parce que je sais pas s'il y a des nouveaux ou pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en lurk et autres, et je ne check pas la quantité de personnes qu'il y a en fait. Je regarde juste le chat écrit. Donc c'est pour ça que je ne check pas. Et surtout pareil, vu que souvent ce que j'envoie sur Twitch, mes live Twitch partent sur YouTube. Donc ça part en VOD YouTube. Donc c'est pour ça que je préfère aussi préciser pour ceux qui sont un petit peu en retard et qui regarderaient la VOD. Ok, par contre 3 pommes de fer avec un Luxray. Hein. Ça va piquer. Le pauvre, il va avoir mal. Mais ouais, non, le Serpente d'eau, en vrai, je le trouve magnifique. Mais ce serait plus un Pokémon, pas jovial, mais plutôt timide. En gros, plus en attaque spé et en vitesse. Je vois que le Luxray est shiny. Nous aussi, on a un Luxray shiny, en vrai. Faudrait que je refasse la chasse shiny, en vrai. Intimidation, ça sert à rien de baisser son attaque, en vrai, il est sur l'attaque spé. C'est ce qu'on a découvert tout à l'heure. Donc c'est pour ça qu'il faisait mal aux pommes de fer, en tout cas. Zenith, ouais, et après il a lance-flamme. Ouais, polysynthèse, donc attaque spé, ça va faire hyper mal. Hein. Si tu veux, je peux te faire les sandwichs. En vrai, de vrai, t'inquiète pas, j'ai énormément d'épices. J'ai énormément d'épices et au contraire, la plupart des shiny, je les ai fait par moi-même. Et en vrai, c'est parce que je compte faire le shiny dex. Mais je comptais aussi surtout aider la commu, donc il y en a pas mal que j'avais donné aussi. J'aurais dû... Putain, il me baisse mon attaque en plus avec brûlure. Bah ouais. Là par contre, il faudrait qu'on se fasse régène un peu. Encouragement, soin. Voilà. Comme ça, tu dépenses pas d'épices. En vrai, j'ai pas tant que ça besoin d'aide par rapport aux épices, mais faudrait que j'en refarme. Mais je vais regarder ça juste après ce raid là. Je vais regarder combien j'en ai parce qu'il me semble qu'il m'en restait au moins une dizaine de chaque. Si je dis pas de conneries, parce que je les avais tellement farm pour test les raids, etc. pour vous donner les fiches techniques. Ouais, dommage. C'était raculé en tout cas. Point clair, on va pas s'embêter. Si c'est que les effets que tu subis, ça va. C'est tant que c'est pas les. Tant que t'enlèves pas le conobidon. Putain, on a encore brûlure. Ouais, il continue à faire ses brûlures. Deux fois d'affilée, hein, quand même. J'ai juste pas de chance. Surtout que la brûlure enlève 50% de l'attaque. C'est un peu embêtant. Râle mal qui baisse aussi l'attaque, punaise. Ah, il a décidé de baisser l'attaque. Ouah, ça va, paralysie en plus. Ça s'est brisé. En vrai, le Serpente d'eau, il est plus facile à faire que le Ver de fer. En tout cas, par rapport à ses stats.
Parce que tout simplement avec Pomme de Fer, on peut le faire facilement. Je sais qu'avec aussi Mireidon, on peut le faire facilement. Voilà. Après, Luxray, il a l'air de passer aussi. Mais ouais, c'est surtout après le test par contre du Ver de Fer. Attendez. Ver de Fer. Ver-2-fer. Par contre, ils se sont vraiment pas cassés. Hein. Ils se sont vraiment pas cassés la tête. Hein. Et nous, par contre, les paradoxes du Pokémon Futur, donc le. De. En vrai, pour les Pokémon Paradoxe, je préfère vraiment Écarlate. Hein. Vraiment, ceux du passé sont vraiment magnifiques. Serpent de dos le représente aussi, hein, fait partie entre les deux. Je préfère en tout cas Serpent de dos que Ver de Fer. Hein. Et pourtant, je préfère la version noir et blanc, donc la 5G, que la 2G. Et d'après ce que je vois, on peut capturer qu'un seul Serpent de dos. Donc ça veut dire que les paradoxes, vous pouvez les capturer qu'une seule fois et pas deux fois. Dans les raids paradoxes, tu peux pas avoir des pistes rip. Non, pas dans cela. Tu peux pas avoir des pistes, en fait, ça a été coupé. Ça a été coupé. Mais après, si tu veux savoir pour quelques épices et autres, n'hésite pas à rejoindre le Discord si tu veux, il n'y a pas de souci. J'avais fait un petit listing un peu de tout et j'avais mis au propre mes fiches techniques. Donc n'hésite pas si tu veux y checker un petit coup. Par contre, oui, c'est ça que je voulais voir. Du coup, tu me fais penser qu'il faut que je regarde dans mon sac combien j'avais des pistes. Punaise, le petit bambou et les gros bambous, faudrait que je les revende comme les pépites. Oui, j'en ai des tonnes et des tonnes, donc en vrai, je peux me faire foutune. C'est un truc de malade. Ça, c'est quand j'ai fait ma méthode Masuda dans la forêt de bambou. Non, pas là-dedans. Ça, ouais, j'ai encore full bonbon, ok. Non, les épices c'était là-dedans, je crois. Ouais, c'est ça. C'était là-dedans. Faut juste que je retrouve. Voilà. Épices sucrées, il nous en restait que 2. Épices salées 10. Épices acides 12. Amères 11. Tandis que corset 8. Ça va encore. On a encore un peu de temps. On a encore un peu de marge en vrai. Avant de tomber en rade. Et encore. Ouais. Par contre, du coup, pour le serpent de. Enfin, pour le ver de fer, parce qu'on ne l'a toujours pas fait encore. Quelle est sa nature? Donc, il sera plante psy. Du coup, il sera terra cristal psy. Bah, du coup, non, il sera aussi facile en fait que le serpent d'eau. En fait, c'est juste qu'il faut. Voilà. Son talent, ce sera charge quantique. Donc, quand un champ électrique est actif avec le Pokémon tient une capsule de. Salut à toi Supergrim, comment vas-tu? Salut et bim bam boum, ça fait boum. Mais du coup ouais, le talent de Ver de Fer, c'est charge quantique, donc ça augmente aussi si un champ électrifié ou autre, sa stat la plus élevée. Donc ouais, donc putain. La vache, en allemand son nom c'est Hans Reinbold. On va l'appeler Hans Reinbold. Ça me fait péter un peu. Par contre, je vois qu'il peut apprendre des attaques de type combat, des attaques de type plante, psy et insecte. Et normal aussi. Oh, et ténèbres. Oh putain, la vache. Ah oui. Ah oui, il a quand même une bonne. Oh punaise. Par contre, les faiblesses qu'il a. Oh la vache. Tu veux voir ta main? Non, je ne ferai pas voir ma main, Super Gwen. Tu le sais très bien pourquoi. Comme je l'ai dit, je ne montrerai pas l'horreur, surtout que j'ai enlevé le tout ce qui est protection, etc. pour l'aérer un peu, parce que le doigt, sinon, il est un peu dégueulasse. Mais non, je ne montrerai pas mon doigt qui. Je le montrerai pas. Il est. En fait, ça fait le même état que si je me suis coincé en fait un doigt dans une porte ou un truc comme ça. Comme je l'ai dit sur Insta ou autre. J'ai eu un accident de travail, donc en fait ma main est restée coincée entre un mur et un chariot élévateur, mais en vrai rien de grave, juste heureusement que j'avais un gant, mais ma peau est juste un peu arrachée et j'ai juste la douleur comme si je me suis pris une porte en fait, comme si je me suis coincé les doigts dans la porte. Par contre,
Le ver de fer. Oh punaise, par rapport à tout à l'heure. En gros, le serpent d'eau, sa seule faiblesse, c'est le type fée et le type dragon. Il a même pas le type électrique alors qu'il est type eau. Tandis que là, le ver de fer, t'as quand même pas mal qui fait du moitié, mais t'en as quand même pas mal qui peuvent faire des dégâts. On a le feu qui fait x2, glace qui fait x2, poison qui fait x2, vol qui fait x2, insecte qui fait x4, spectre x2, ténèbres x2. Putain la vache. Non mais de base, hein. Précision, de base. Hein. Donc le ver de fer est même moins strat, entre guillemets, en termes de faiblesse. Par contre, lui, il se joue physique, défense P. Oh. Ah oui, d'accord, en fait, ses stats, il a quand même beaucoup de PV comme l'autre. Par contre, le serpent d'eau a plus de PV. Là, il en a 90, le ver de fer. En attaque, il sera 130, donc beaucoup plus d'attaque que l'autre. Donc celui-là, il sera physique. Défense 88, attaque spéciale 70, défense spéciale 108, vitesse 104. Donc ouais, il se jouerait façon défense, tanky, ou sinon en mode bah soit tu le joues en jovial, en vitesse attaque, soit tu le jouerais en fait en full tank, PV et défense, défense P. Ok. Donc c'est totalement en fait, lui il est un peu plus, on va dire, sur ses stats un peu plus, voilà, chiant à avoir, mais voilà. Donc il faudrait faire des attaques, ouais. En plus là ça commence à me piquer le doigt, je peux vous mentir. Ah la barbe! J'ai le doigt qui commence à piquer, je crois que je vais mettre du produit tout à l'heure, mais c'est un enfer. Par contre, j'ai vu qu'il avait des attaques combat. Des attaques psy, des attaques. Il a des attaques psy, les attaques combat, les attaques normales, donc il faudrait qu'on fasse hyper attention à ça. Normal, ça en vrai, ça m'inquiète pas trop. C'est surtout combat, psy et plante. Il y a aussi une attaque insecte, ok. Donc, ouais, psy, faut pas mettre de type combat. Donc, pomme de terre, c'est mort. De type poison, c'est mort. Donc, le prédastéry, c'est mort. Le type combat, faut pas mettre de type acier, glace, normal, ténèbres. Ouais, donc, ça m'embête un peu. Et plante, pas de type eau. Roche ou ça, sachant qu'il avait lame de feuille. C'est ça, mais le problème. Il me casse un peu la tête. Pas vous mentir. Par contre, il faudrait qu'on fasse des attaques insectes, spectre, ténèbres. Un spectre en vrai. J'aurais pensé à Kourosinge, mais il est type combat aussi, donc c'est un peu embêtant. En vrai, attendez. Si je dis pas de conneries. Il est quoi? Ténèbres assis. J'en ai pas un qui était strat un petit peu pour les. J'en ai un qui est en full attaque. Tandis que lui il est en full défense. On va prendre celui qui est en full attaque avec tricherie et génie secte. Comme ça, voilà. J'ai pas envie de bodyser une boîte. Voilà, on dirait qu'il y va. Qu'est-ce que ça faisait? Je pense que je vais jouer lui. Après, par contre, il me fait chier parce que. Pas de type. Facile parce que le type combat peut faire un x2, mais. Il me fait un peu chier, quoi. Et en plus, ce serait la mauvaise idée parce que ténèbres en plus x2 aussi. Donc les attaques combat, je les prendrais v'là cher en fait.
même pas, ce serait même pas la bonne idée. Ce serait même pas la bonne idée de prendre celui-là. Il n'y en a pas un meilleur par pur hasard. Déplacer. Il m'enquiquine un petit peu hein, ce Pokémon, je vais pas vous mentir. Putain, allez, je réfléchis trop, ça va me faire mal au crâne. Full ténèbre, bah il y aura lui, mais. Seul ténèbre, faudrait faire attention aux petites plantes. Maintenant c'est mort. Ça c'est mort. Ah punaise. Bah ouais, mais la plupart ils ont un double type un peu chiant quoi. Le spectre. Enfin, en vrai, le mieux ce serait lui, le Flamigator. Pour ma part, en tout cas, d'après ce que je pense. Il était quoi le Flamigator déjà? Beaucoup en défense en plus, donc ça tombe très très bien. Écoutez, on va le tenter avec lui. On va le tenter avec lui. Red. On va tenter le verre de fer avec Flamigator, ouais. Ça tombe très très bien. On essaie de trouver des solutions, hein, mais c'est un peu plus complexe. Alors attendez. Déjà le mec qui est pas très fortiche, il a mis quand même un spectre acier, donc ouais, on comprend pour le type spectre, mais acier ça va piquer. Donc il faudra qu'on fasse full châtiment après qu'on ait fait en fait feu follet. Comme ça on baisse son attaque. Bon, sinon on fait feu follet et après on fait full champ flamboyant pour augmenter son attaque SP et après on fait les châtiments. Ce qui peut être pas mal aussi. En vrai, Flamigator vraiment très très bien pour ça. Le truc de base il serait de type plante et psy, mais là il est juste psy. S'il aurait été les deux, j'aurais mis un Pokémon qui s'attaque sur l'insecte, mais... On va bien voir ce que ça donne, verre de fer. La brûlure, ça c'est cool. Lame de feuille, ça c'est sûr. Coup critique en plus, il me fait, mais bon, pas grave, ça fait pas grand chose. Je vais maintenir mon attaque SP, ça va être très très pratique en tout cas. Prochaine attaque, châtiment, vu que maintenant il est enflammé. Ce n'est pas très efficace, mais là, châtiment cette fois-ci. Voilà, châtiment qui fait quand même plus de dégâts. Annule les effets qu'il a subis, donc il n'a plus brûlure en toute logique. On va utiliser feu follet. Ça a échoué, donc non, on va recommencer feu follet. C'est vu que Megacorn en plus il a une attaque quand même insecte. Hein. Mais deux fois qu'il échoue. Notre banane là. Allez. Prends-toi ça là. Trois fois! C'est abusif. Quatre fois.
Mais qui l'a empoisonné? Putain. Par rapport à lui, il a pas été brûlé. Dommage. En fait, moi je voulais le brûler. Une, pour que ça lui fasse des dégâts. Deuxièmement, parce que 50% d'attaque en moins, c'est pas négligeable. Mais bon, moi mon châtiment il fait toujours autant. Châtiment. Megacorn. Qui ne fait que dalle sur le Flamingata en tout cas. Châtiment. Let's go. Donc avec Flamingata en tout cas, vous pouvez terminer le verre de fer. Ça c'est cool. C'est cool, c'est cool. Verre de fer en tout cas, Mikio. Et du coup, vous pouvez capturer qu'une seule fois verre de fer et qu'une seule fois serpente de fer. Enfin, serpente d'eau. Parce qu'en fait, c'est ce que j'ai vu. Hein. Donc c'est pour ça que moi je les capture avec le Norball. On peut pas les recapturer une deuxième fois, c'est dommage. Donc en vrai, c'est des paradoxes uniques. Ça, c'est cool aussi à savoir, par contre. Ok, let's go. Mais du coup, ils sont shiny lock, hein, je précise, donc... Si vous envoyez un shiny, c'est qu'il a été craqué. Par contre. Par contre. Ça... Donc c'est bon, on a les deux. L'âme psychique, l'âme feu, Megacorn et dans l'âme. Quel enfer. Présumé. Non, non, moi c'est cool. C'est cool. Bah après, lui, je préfère pas. Je préfère vraiment lui. Hein. Entre les deux, je suis désolé, le serpent d'eau, il est plus beau. Il est mieux fait. Je préfère vraiment l'époque que le futur. Je sais pas vous, votre côté. Pour les pique-niques, non, c'est pas ça. Alors ça. On était en chasse de shiny ou pas en ce moment? Je crois qu'on avait plus fait de chasse shiny. Le dernier shiny qu'on avait fait, je crois que c'était Grenous, non? C'est ça. Hein. Attendez, on a quoi comme shiny? On avait encore deux Tritox shiny à donner avec un Elionceau. On a eu Aquali Shiny. Tac. Aquali Shiny. Cordon bleu, on l'avait appelé. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'on avait parlé du cordon bleu et on avait appelé ça cordon bleu. L'épidonyl. Vraiment magnifique. Hein. Ok, Thiboudé, ok. Mini Draco, ok. Gourmelet, ok. Vivaldin, on a eu pas mal. Note, ok. On avait eu tout ça aussi, alors ça c'est ok. On avait aussi chassé le Tacos, le Zorua qui m'avait pris énormément de temps. La Malamande pareil m'avait pris énormément de temps. Comme on disait tout à l'heure, le Luxray Shiny on le veut. Ok. Bah écoutez. En vrai de vrai, on va se faire des petits raids sympas. Ça change. Mais en même temps, ça donne beaucoup de bonbons. Par contre, là, il y a deux.
Pokémon qui donne des épices suprêmes. Donc il y avait Lansorien avec Tag Tag. Donc let's go. En plus. Oi, je vais le bouffer. Je vais juste le bouffer. En tout cas, Simon Aigle, merci en tout cas pour tout à l'heure quand même la proposition que tu m'avais fait. Donc me passer quelques épices, en tout cas c'était sympa. Mais en vrai, nous, de notre côté, on forme de A à Z et au contraire, nous, on est là aussi pour aider, donc faire les fiches techniques et autres pour la communauté, c'est ce qu'on fait assez souvent. En tout cas, nous, pour notre part. Qui a mis un Pikachu quoi, abusif. Alors, Konobidon déjà pour commencer, toujours. Pour la joie, la force et le courage. Et bien sûr, Vampire Point direct pour ce régène. Wouhou! C'est vrai que Lansorien est toujours plus rapide. Heureusement qu'on peut se régène avec Vampire Point, il nous restait 10 points de... Enfin, avec mon petit point, ça passe très vite. Hein. En vrai. Bon, il y en a un qui nous a quand même bousillé en mettant son Pikachu. Hein. Heads up Pikachu, I'm furry. Mais quoi, on avait vu aussi qu'on avait loupé l'event Darkrai sur Diamant et Perle étincelant et scintillant. Donc ça m'a foutu un peu le seum aussi. Parce que du coup, je pensais le faire, mais vu que les événements ils mettaient beaucoup trop de temps bah, et qu'il y avait un objet qui était arrivé, bah, on n'a pas pensé à les faire. Donc je suis un peu dégoûté. Un peu dégoûté sur ça. Régène un petit peu, nickel. Bon, petit point. La prochaine, normalement, qui ne me tue pas. Bon, petit point. Je suis un flamboyant pour sa part. Oh, pardon. Comment ça? Bon, je peux pas faire une deuxième fois, donc je peux en faire. C'est tacle lourd.
pas le réussir. Dommage, dommage. À moins que. Mur lumière pour la défense P. Faites que je le réussisse. L'attaque. Oui. Oh punaise, il restait pas grand chose. Oh la barbe. L'attaque est passée. On l'a mis KO. Lose that. On peut faire ça vu qu'il est 6 étoiles, autant le capturer. Comme ça peut-être on va pouvoir faire des euros dans les échanges mystères. Dans une autre région. Qui sait. Toujours aussi magnifique hein, par contre. Pas de nouvelle épice par contre, un peu deg. Mais ouais, en tout cas, j'ai hâte des DLC normalement qui vont bientôt sortir en été, en automne et en hiver. Il me semble. Ça a été indiqué comme ça pendant les 20 minutes de Pokémon, je crois, des 20 minutes. Putain, ça a été mis là-dedans, je suis sûr. C'est où encore cette merde? Non mais c'est pas possible, attends, il m'a tué. Non, on va pas me dire qu'ils l'ont foutu là-dedans. Ah, ils l'ont foutu dans mon équipe, je suis con. Ils l'ont foutu dans mon équipe, je suis con. Ah donc ça c'est les Pokémon Jap qu'on a eu. On a eu encore un Evoli Jap, ça c'est cool. Lui il est quoi en stats? Ok ok, dommage. On aurait pu avoir full exceptionnel mais en vrai. Ça va, ça va. Par contre regardez. Sur les gens il y aura un Brune Map qui serait ouvert. D'après ce que j'ai compris. Non, il n'y a pas de plus de maps qui sont apparues pour l'instant, ouais. Non, pas encore. On a les Azumarill ici en shiny qu'on pourrait choper. Mistiboué, Fantominus. Les Furéglon, j'en ai eu tellement. En vrai, on va juste aller checker là-bas. Un petit peu. Si on tombe pas sur un Azumarill, le shiny pas plus hasard. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Jamais dire jamais. Apparition massive. Tu apparais pas si massif que ça. Mais s'il apparaît en massif. En plus, vu que c'est dans l'eau, ça bug énormément. Bah oui, bravo à vous, monsieur. Même si c'est bugué un petit peu, c'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est beau tout ça. Il y a Oyaketa.
Bon. Alors attendez. Si on était là pour faire des raids, alors attendez. Truc et portail. Regardez hein, quand même ce qu'il y a. J'ai compris. Confirme. J'ai pas lu en, mais je sais ce que c'est. Oh, compétition interne. Ça a été ouvert. Europe. Veuillez sélectionner le pays de la région de la compétition à laquelle vous souhaitez participer. Europe. Veuillez sélectionner le pays ou la région de la compétition à laquelle vous souhaitez participer. France. Moi je suis dans la catégorie Master parce que je suis âgé de 21 ans, donc au-dessus de 2006 c'est Master. Permet de faire monter votre code en fonction de celle-ci. Vous êtes en train de vous hisser dans le classement pour participer, vous devez d'abord vous inscrire. Un tournoi amical est une compétition organisée par les joueurs. Ce dernier décide de sa durée ainsi que ses règles pour jouer avec vos amis, communiquer. Vous pouvez également participer à des compétitions officielles. Il s'agit de compétitions spéciales qui suivent des règles spécifiques et définies en avance. Les dates et règles des compétitions seront communiquées. Ok. Inscrire vos combats. Fin de la compétition prologue. Période du 10 mars au 13 mars. Ok, une de temps, 7 minutes, ainsi de suite. Combat duo, nombre de Pokémon 4, niveau ok, région c'est ok, interdit. Pokémon identique, interdit, et objet tenu identique, interdit. Donc on ne peut pas obtenir deux objets du tout. Donc, veuillez sélectionner la région correspondant à la compétition à laquelle vous participez, ainsi que la catégorie dans laquelle vous concurrez votre âge. Donc, junior, c'est personne née en 2011 ou après. Senior, donc entre 2007 et 2010. Et tous ceux qui sont nés 2006 ou avant, donc moi, mon cas, c'est 2001, donc avant. C'est la catégorie master, donc moi, je suis dans la catégorie master. Let's go. Donc ça c'est bon, ok c'est bon. D'accord. De toute façon après j'en prends pas les règles. Ouais Pania nanana. Bah modifier l'équipe. En vrai on va faire de la compétition celle-là. Au début j'étais contre faire de la compétition en live. Mais je pense on va faire de la compétition en live parce qu'en vrai la compétition ça me manque horriblement. Donc, dans cette compétition quel Pokémon je vais pouvoir mettre en gros 5 vitesse attaque déjà. Lui va faire partie de la catégorie Master. Sans hésiter, mon lance rien. On va mettre un petit. Un petit quoi. Alors là, j'ai mon. Ouais. Ouais. On va le mettre lui. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en dernier?
Non, ça me casse la tête. Je vais même pas faire ça en fait. Non, c'est mort, attendez. Faudrait que je fasse ma compétition, mais ouais. On va essayer de voir si ces jours-ci on va stream de la compétition ou pas. Mais je voulais mettre des Pokémon et autres, mais c'est vrai qu'en duo j'ai pas l'habitude. Donc pour faire de la duo, je vais essayer de voir ce qui pourrait m'avantager le mieux. D'habitude, moi je suis plutôt compétition solo. Mais là, c'est vrai que là c'est une compétition internationale donc qui est dans tous les pays. Donc là, nous on va participer à l'Europe-France, je pense. Pour les 3 jours, on va s'inscrire tout à l'heure, je pense. Mais par contre, il faudra qu'on crée notre équipe. Donc notre équipe. Ça m'emmerde un peu. Ça m'emmerde vraiment. Parce que j'ai envie de faire pas mal de choses, mais ça m'emmerde un peu. Donc je vais essayer de la créer tout à l'heure ou après le live. A voir, à voir. Raid, Terra Crystal. Pour ça, on va partir sur des raids. Non, encore, je n'ai même pas mis les objets, etc. Je pouvais même pas choisir les objets. Donc, ça m'embête un peu. Vas-y, on va refaire Serpent de dos. Par contre, Serpent de dos et Ver de fer ne donne peut-être pas de d'épices, mais il donne énormément de bonbons. Donc c'est hyper pratique pour les farms, pour faire vos équipes plus tard pour la strat. C'est bien évidemment. Il y en a beaucoup qui voulaient que je les aide pour la strat. Il n'y a pas de souci, je peux vous aider à faire de la strat Pokémon. En tout cas, on m'avait demandé sur le Discord, mais par contre, je ne donnerai pas mes strats la plupart du temps. En fait, essayez de faire vos propres strats. C'est ce qu'il y a de mieux. On peut vous aider à vous améliorer, mais en fait, on vous conseille toujours de faire votre propre strat parce qu'en fait, le problème, c'est en imitant les Pokémon des autres, vous ne saurez pas les utiliser et pas au bon moment. En fait, c'est ça le problème. En fait, beaucoup veulent se mettre à la classer sur la compétition du haut, donc sur de la stratégie. Mais on peut pas s'apprive, on peut pas se mettre directement, voilà. Quoi? Fenrier avait un Zorak 18? Attendez. Le Pokémon Home est relié maintenant? Avec Carlet et Violette? Alors après ce raid là, je vais checker. Parce qu'ils avaient dit mois de mars, avril, mai. Donc en printemps normalement, toute logique. Donc voilà. Donc si le Pokémon Home y est, je suis désolé, mais tous mes Shiny vont être transférés la plupart sur Écarlate. Hein. Et sur Violet. Sans discuter. Et du coup, je vais pouvoir vous en donner pas mal. Par contre, ça c'est cool du coup parce que je vais pouvoir faire de la strat un peu plus sophistiquée. Ça, du coup, ça veut dire que les farms de 18 sont là, sont présents, ont la banane. Donc je vais pouvoir m'éclater à fond. Pardon. Par exemple, les Zorak, je préfère vraiment celui 18 que les Zorak normal. Même si les deux ils sont magnifiques. Par contre, là, le raid a l'air de vouloir ne pas fonctionner. Ça arrive, c'est bug. Hein. Malheureusement, ils ont encore beaucoup de trucs à améliorer. Non, il a l'air d'avoir bugué. Oh. Il a l'air de vouloir ne pas fonctionner du tout. On va
attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la cour, non? Attendez, on va faire une déco de la console. Ça m'embête un peu, parce qu'en plus, ça me fait plus l'écran à chaque fois. J'aime bien que je fais ça. Donc ça me casse un peu les ennemis, mais je suis obligé de faire ça, parce qu'en fait, le raid là, il est tout bugué, donc autant qu'on quitte le raid. Mais ouais. Le raid, par contre, je n'ai plus le. Ah! Tabarou! Voilà. Que des bidons. Lance-lame. Cette pire attaque. On va faire un vampipon pour qu'on se régène un peu. Voilà. Et bien sûr, on vous remet en plein écran. Mais il est vraiment beau. Hein. Le serpent de dos vraiment très très beau. Pardon. Oh, le point éclair qui a fait mal. Let's go. Ouais, il a annulé les stats, c'est normal. Parce qu'on lui fait trop mal. Il a pris fou de dégâts. Let's go. Il a été mis KO. C'est volatilisé. Voilà. On a pu récupérer tout ça. Comme je vous l'ai dit, hein, il va vous rapporter quand même beaucoup d'objets pour vous faire full thune, pour donner beaucoup d'XP en termes de bonbons, etc. Donc n'hésitez pas à les faire. Par contre, du coup, c'était ça. On fait la sauvegarde. Attendez, what? Déjà, si c'est ça, une révolution. Parce que, déjà ça, je veux dire. On va les foutre dans la boîte de suite. Non, RM, non, le truc à donner. 32. Hop là, vous deux, vous allez vous mettre là. Rien à péter. Faudrait que je voie comment je pourrais vous faire en strat. Ça avait l'air d'être vraiment beau. Ça, c'est mes shiny pour l'instant. Donc j'ai quand même 3 boîtes de shiny. Et on va regarder le Pokémon Home parce que, d'après ce que j'ai vu, oui, quitter, mettre à jour peut-être. Il n'y a pas de mise à jour. Ça veut dire que peut-être il a déjà été mis à jour. Peut-être. Alors. Déjà, récupérer les Pokémon de Pokémon Go. Parce que j'ai oublié de les récup. Il y a 5 Pokémon qui sont en train de se battre à revenir. Ouais. Ouais, ça vient de Pokémon Go. Ouais. 4 Evoli avec un Ubali. Ouais. J'en avais capturé tellement des Ubali et des Evoli Shiny. Donc en gros, si on peut les transférer sur Écarlate et Violet, je trouve pas ça vraiment. Non, ils sont toujours pas transférables. The fuck. Alors, comment ça se fait que les gens ils ont déjà un Pokémon un Zoroark 18? Je me dis pas c'est un. Ils ont activé un cheat ou un truc comme ça. Il
Ça c'est mes shiny. Ça c'est quoi ça? Ça c'est mes jap ça. Ok. Ça c'est mes shiny. Ça c'est mes shiny. La plupart comme vous voyez, hein, ils ont le logo. Ok. Ah ces deux-là c'était par code. Qui nous ont été offerts. Donc ça c'est légendaires shiny legit. Normalement on avait plus de Pokémon. Là il restait une place ici parce que on avait retiré le Pokémon anglais shiny. Ça c'est ce qu'on avait capturé. Ça c'était Pokémon Go. Ça, ok. Putain, il y a quand même des Pokémon shiny qu'on peut pas transférer. Hein. Quand même. J'ai deux Kruikui, un Bratiflame, je sais pas où je vais pouvoir les foutre. Pour ça, il n'y a pas de version alternative qui peut les prendre. Ça. Là. Même le Zaret, je sais même pas comment je vais pouvoir le foutre. C'est garder équipé. Aïe. Oui donc non. C'est pas possible d'avoir un essuie en fait. Comment ça se fait que le mec il a eu un essuie? Un Zorak d'essuie. Je sais pas pourquoi il a eu un tour d'issue le mec. Mais alors ça craint. Il a utilisé un cheat mode activé. Le Nidoridon Shiny il ressemblerait plus à un sushi. Là par exemple il n'est pas Shiny. Ciao bye. Ok portail. Pas l'attaquer. Bref, le Oyakata auprès de tous ses amis mariés. L'enfer. Quel enfer.
Il y a un Seracrawl. Ça change. Ouais, mais j'ai rien fait. Et parmi tous ceux-là qui pop, là, il n'y en a pas un qui va être jaune. Ok, c'est un guéridon. J'ai cru qu'il y en avait aussi un autre. Apparition massive, ça serait là. C'est faux! Si c'est bon. Alors peut-être que. Ok. Ok. C'est là, c'est là qui peut, mais. Il y a pas beaucoup de humains qui peuvent. C'est là, c'est censé être un camp de. Enfin, une apparition massive, mais. Il va en avoir pas mal. Pas grave, on va faire un par. Métamorphe, 5 étoiles, métamorphe, rien à péter, sucré, épice sucré, épice sucré, je veux des épices sucrés. Les épices sucrés qui ont du mal à pop, surtout que c'est là-dedans que j'ai mes œufs, moi, la plupart du temps. S'il vous plaît. Ah. Ils ne veulent pas. Mais encore. Un peu gros, les gars. Ah, j'ai du mal à plier mon doigt. J'essaie de le plier, j'arrive pas. Je ne veux pas. C'est disant d'armer mon doigt. Tu peux même pas le plier. Et il ressemble à un putain de sushi. J'ai un sushi à la place du doigt. Ah, écoutez, vous savez quoi? On va refaire 52. Qui passe très très bien. Mais du coup ouais, pour serpent d'eau je vous conseille pomme de feu, un petit peu électrique comme Miraidon aussi pas si vous serez. Tandis que vert de feu je vous conseille un petit flamigator, ça te produit bien. Bon, ce que je vous conseille. De vouloir pop. Ouais, non, ils ont pas vouloir le pop. Non, tant pis. Là, c'est ça, le Pokémon, il ne veut pas. Il ne veut pas.
Et ça m'a regardé. Oui, bah oui. C'est vous que je parle. Vous voulez pas. Vous voulez pas que je fasse des raids là. En plus. Oh, ouais, t'énerve pas, en plus. Ok. Je vais voir s'il y a un petit chenille qui traîne un petit peu. Ça date que j'ai pas fait de chasse au chenille ou un truc comme ça. J'aurais vraiment dû me remettre. Non, en ce moment, c'est vrai que la hype Pokémon m'a un petit peu quitté, je vais pas vous mentir. En fait, j'ai eu une énorme hype, surtout à la sortie du jeu. Diamant et Pearl et Confluence Artillant qui sont arrivés donc les remakes sur Switch. Et c'est vrai que bah, quand il y a eu la 9G, pareil, on a eu encore la hype qui est revenue. Mais la hype en fait a dû aller 3-4 mois, mais après elle redisparaît, etc. C'est pour ça que vous voyez un peu moins de Pokémon par rapport à avant. Mais on en fera toujours hein, sur la chaîne, bien sûr, c'est la licence qu'on préfère sur les jeux Nintendo. Hein. Il faudrait que je m'achète aussi les jeux Zelda, etc. Parce que c'est vrai que j'ai acheté aussi la Switch pour les jeux Zelda, mais j'en ai acheté aucun pour l'instant. Donc ça craint. Et on avait aussi les jeux Mario. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de jeux Mario, donc la dernière fois, le Story Mario Party et Mario Kart, donc, qui a été fait avec Morna et autres pour Mario Party. La team Morna. Vraiment, c'était top. C'est vraiment top. Après, bah, il évolue. Je suis pas non plus le grand joueur sur Switch, enfin, je suis joueur PC. Personne n'aime. Merci. Lol. Par contre, il n'y avait rien qui a été débloqué sur nous. Ça m'intrigue. Ça, c'est pas encore débloqué. Hein. Il y a toute une partie grisée. Juste une partie du jeu ou pas? Non, après c'est pas de l'as, mais non. C'est que ça qui fait plaisir, je pouvais pas y accéder pour l'instant. Ouais, je crois que c'était ça. Je crois réellement en fait on pouvait pas y accéder encore ici. Mais je pense que ça c'est par rapport au DLC qui va bientôt arriver en mettant le dessin. Et chercher les petits fantominus, on va voir si on peut tomber sur un génie en plus. Mais ouais, non, en vrai, ils ont fait le verre de fer et le serpent d'eau. En vrai, ils sont magnifiques, ils ont été faciles à faire, enfin, surtout pour le serpent d'eau. C'est plus facile à faire que le verre de fer, mais voilà. Après, je pense que c'est chacun sa difficulté. Parce que moi, de mon côté, en vrai, ma difficulté, elle n'y était pas, personnellement. Mais après, ça dépend, je pense, des personnes. Si on se refait une chasse shiny, quelle shiny en fait, pratiquement. Bah, les fantominus, en vrai, il y a les fantominus en ce moment. On peut mettre la nuit pour en haut, je crois. Hein. Oh les petites lombes, c'est très... Oh, attends, c'est pas. Ah, si, mais ici, tu peux jouer. Comment ça, tu peux jouer? Ah, ça veut dire qu'ils sont dans l'eau, là. Ah. C'est ironique. C'est très ironique. Parce qu'on est quand même un peu dégueulasse, hein, je trouve. On les fuit quand même ou pas? Ah, ça a quand même des équipes, ça va.
Est-ce que les raids vont bien vouloir ce soir? Je vous le demande. De toute façon, on va refaire encore un petit raid. Après, je pense que on va stopper. Ouais. On peut avoir le pomote qui donne des épices sucrées. En vrai, juste après, je pense qu'on va switcher de jeu. On va faire un raid. On va essayer de faire un raid au moins minimum pour terminer la soirée Pokémon. Mais après, je pense qu'on va switcher de jeu. Je pense qu'on va retourner sur du Apex, sachant qu'on a la classée Apex encore à terminer. Ouais. Pour le pommac qui sera dit. Ah, ça c'est ma chaîne, ouais. Mais ouais, je sais pas comment il a fait pour avoir un Zoroark 18 sur Écarlate et Violet, le gars qu'on avait eu tout à l'heure en raid. Je sais pas du tout. Sachant qu'il n'y a pas encore le Pokémon Go. Ça m'intrigue. Très cher. Je sais pas ce que tu fais, mais. Un Tritosaur. Très bien. Le Tritosaur. Mais c'est vrai que le Tritosaur, en vrai, il est. Il est type seul aussi. Au sol. C'est vrai que c'est très efficace. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas à le prendre. Le bidon, bien sûr. Cloche combat, c'est sûr. Il baisse sa défense en plus, c'est un peu bête. Parce qu'il va se prendre une attaque, mais monumentale. Juste après, je pense que j'ai fait un petit vampipant pour me raise. De toute façon, c'est la seule attaque qui est efficace. Vas-y, il a baissé encore sa défense P, ça c'est cool. Donc défense qui a été réduite encore un tout petit peu. Vampipon. Ça va. Après c'est normal, c'est parce que c'est pas une attaque pour, mais... On lui a fait quand même mal, quoi. Ah ouais, faudrait qu'il me fasse coup de main. Défense et défense P qui sont encore réduits. Let's go! Ah bah oui, ça fait mal hein, quand tu défends. Quand t'enlèves ta défense. Bah oui. Désolé, popop. Bah désolé, pomote. Hein, c'est la vie, hein, petit père. Tu sacrifies des stats pour faire une grosse attaque. Je suis électrifié, par contre ça va faire hyper mal pour ceux qui sont feu contre le type électrique. Pas moi ni le Tritosaur, mais surtout Nathalie et Nathalie qui peuvent se prendre des dégâts dessus. Personnellement, moi je vais refaire un coup de bidon. Vampipon. Nickel pour les soins, toujours bien. Il a encore baissé sa défense. Ça, mais s'il baisse sa défense, ça va faire. Voilà, c'est sûr. Même s'il a un bouclier, ça fait mal. Hein. Ah, il a enfin mis encore. Vampipon. Let's go. Ah bon, il a été niqué.
Et voilà, il est KO. Rapidement. On a eu rien, même pas des petits, c'est dommage, dommage. On a eu des morceaux d'étoiles, on a eu un peu de tout. Ouais. Les morceaux d'étoiles, qu'est-ce que ça date? En vrai, je vais commencer à faire un truc, c'est je vais commencer à faire les team strats en vrai. Les team strats de mes équipes que je voulais faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout décaler de deux boîtes. Donc là, la boîte ici présente de chez Shiny, elle va être décalée en 27. Celle-là, elle va décaler en 28. Et celle-là, elle va décaler 29. Donc ça c'est mes 3 boîtes de shiny. 26 on n'a plus rien. Tac 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 tac. Faudrait que je fasse aussi un tri dans les Pokémon qu'on a eu en Jap pour pouvoir les mettre dans le Pokédex Shiny dans le Pokédex Jap parce que je compte faire tout le Pokédex en Jap. Ça c'est cool. Ça m'a donné un objectif en plus on va dire dans le jeu. Je suis carré au Jap. Ça, je vais les décaler. En 30. Voilà. Comme ça, là, on va faire nos teams respectives. Donc, dans les teams respectives, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait l'équipe Pania, donc l'équipe Full Evoli. Yokai, donc l'équipe Spectre. L'équipe Sakura, donc à part au Japon. Thème Japon. Ok. Ice-T, donc avec la team Glace. Et Team Master, donc ça c'est tout à l'heure qu'on a essayé de faire la classe etc pour s'inscrire. Alors on était obligé de recompenser, donc désélectionner. J'avais sélectionné 5 au pif, mais en vrai non, je vais faire une autre équipe pour la Master. Danse, à voir. Là je pense qu'on va faire l'équipe Ice-T, donc l'équipe Glace. On va se préparer pour l'équipe Glace. Donc l'équipe Glace, qui je verrai dans l'équipe Glace? Tac. Si on fait ça, est-ce qu'il y a moyen de devant? Non, l'équipe glace déjà, c'est sûr qu'il y aura un Bizarroi. Est-ce qu'on préférerait pas un Bizarroi Shiny ou un Bizarroi normal? Attendez. Bizarroi. Shiny serait quelle couleur? Ouais, bleu. Ce serait pas mieux d'avoir un Bizarroi Shiny ou un Bizarroi normal. Que je regarde. Allô. Salut Gon, comment vas-tu? Ça va. Pour ma part, du coup, verre de fer et sapin d'eau ont été faits très rapidement. Donc en vrai, Serpente d'eau de base, il est dragon eau. Ses seules faiblesses, en vrai, c'est le dragon et le fée. Même pas le type électrique. Alors qu'il est type eau, je précise. Et c'est parce que ça par rapport à son double type dragon. Avec son double type qui est dragon. Et l'autre par contre, qui est de type plante psy de base,
Et donc x4 avec les insectes, etc. En gros, il a beaucoup de faiblesses, mais il y a aussi beaucoup de capacités qui font diviser par 2. Par contre, il y en a un qui se joue plus en attaque vitesse et l'autre, enfin attaque vitesse ou en défense, etc. parce qu'il est plus tanky, donc le ver de fer. Et tandis que le serpent d'eau se jouerait vraiment timide, du coup, sur l'attaque spé et la vitesse. Par contre, il est où, bizarre. Donc la version Shiny, elle serait comme ça. C'est quoi la différence entre le mâle et la femelle du bizarre bois? Il n'y en a pas. Alors attends, bizarre bois. Fiche technique de bizarre bois. Je ne pas te dire. Ils offrent Captain Marvel Medieval, Medieval machin truc. Mais je crois que c'est pour un jeu, mais je suis pas certain. Je sais même pas si c'est un jeu ou un truc de DLC, tu vois. Non, mais je vois. Je vois, je vois. Tandis que Busy, je crois que je l'avais en Shiny. Dis-toi que j'ai juste de reprendre Pokémon, mais j'en ai pas capturé parce que tout simplement j'en ai pas trouvé. J'étais plutôt en train de faire les raids. Bah, dis-toi que hier, j'étais en Pokémon, j'ai croisé genre 4 Pokémon. Et c'était beaucoup de Pokémon que j'en ai rien à faire, tu vois. Je sais pas pris. Logique. Et c'est après que. Ok, ok. Est-ce qu'on le prend en chromatique ou en normal le bizarre roi? Telle est la question. Telle est la question, telle est la question. Les deux ils sont beaux. En vrai je vois pas trop de vie. Sac. J'en sais rien là sur le coup, je pourrais pas te dire où est ton téléphone. Bah je l'ai là. Hop là, Blizzard Washini, let's go. Donc en gros ils te disent, GeForce Experience, cadeau Nvidia, envoie périodiquement des codes de jeux gratuits par email aux utilisateurs pour faire recevoir des communications de GeForce. D'accord.
Oh putain, les DLC sont stock. Oui. Sur Arson Gaming. Oui, non, mais tu pouvais les avoir déjà depuis l'annonce en fait. Ouais, mais. Alors, non. Alors, ça a été mis le lendemain sur Arson Gaming. Je sais pas, moi de mon côté, en tout cas sur le Nintendo eShop, je pouvais les avoir directement. Ah oui, non, je ne veux pas choper la Nintendo eShop. Regarde, Nintendo eShop c'est 35€, là c'est 28€. Désolé, mais. Je vais prendre en premier. Bah, toi, c'est écarlate, hein, ouais. Par contre, j'ai vu, c'est 35 balles le DLC, hein, j'ai vu ça. Hein. Oui, et là, 28,33 sur Instant Gaming. Donc, désolé, je préfère pas. Oui, non, mais même en parlant d'économie ou quoi que ce soit, les deux DLC, ça fait 70 balles les deux. Ils auraient pu faire un pack pour les abuser. Alors. C'est de la chair, je trouve. Ça. Alors, oui, non, je trouve que ça va en vrai. Tu vas peut-être me trouver connard. Sachant qu'on a payé les deux jeux, en vrai ils auraient pu faire aussi un pack pour ceux qui avaient voilà. Alors, ils auraient pu faire un effort. Honnêtement, sachant qu'ils travaillent à côté sur les trucs, je trouve que c'est légitime. Ils auraient pu faire un effort. En vrai, c'est pas si. Ça coûte beaucoup trop cher pour les DLC. Comme ça au moins je le mets. Je fais ce que tu veux. Ah mais après il faut se mettre en Coupe de France pour aider. Ouais on a 21, on a 20% de droit. Moi je le paye plein pot aussi. C'est pour même ça pas que... plein pot, je le paye à 40 centimes d'écart. Oui non c'est pour ça que faut que tu te mettes en Suisse ou un truc comme ça. Ouais mais l'adresse c'est la même. Ouais. Et c'est la même que chez toi. Si tu mets la même adresse que chez toi plus un autre pays, c'est pas logique. Et tu peux avoir des problèmes. Et bon, c'est de sûr. Ouais, de mon côté, en vrai, j'ai jamais fait ça, mais en vrai, j'ai vu ça qu'en Suisse, ils payaient moins cher. Donc, pour ça, on va après. TVA 0 en fait, il n'y a aucune TVA en fait. Bah voilà. Oui, ils payent pas d'impôts par rapport à nous. Bande de foirés. Je trouve ça injuste. Ils devraient payer des impôts. Non, en vrai. C'est bon, je l'ai. Je go sur ma Switch. Déjà pour le premier Pokémon, ce serait bizarre à voir pour ma part. Du coup, est-ce qu'il a l'air Arteneige? On est d'accord, c'est sûr. Arteneige, ok. Le mien, je vais jouer en quoi? Enfin, les gens qui disent oui, non, mais ça sera sur sûr et certain qu'il faut acheter les deux DLC par des autres trucs et tout. Je sais pas, mais là, il faut mettre un arbre, c'est un pack, donc t'as les trois, les deux DLC. Ça fait vraiment 35€ le DLC automne et 35€ le DLC hiver, ça fait trop bien. Pokémon, il faut qu'on voit quoi. Tu as arrêté avec le DLC, tu as déjà avant le faire. Non, les deux DLC sont bien à 35 balles les deux, mais je trouve ça beaucoup trop cher par rapport. Sachant que nous, de notre côté, si on veut l'avoir sur les carrettes et violet, ça va nous faire 70 balles en plus. Donc, pas te mentir, le prix d'un jeu. Moi, honnêtement, 60 balles. Et honnêtement, moi, je trouve ça un peu legit parce que regarde, l'année dernière, pour Epic Mickey, j'avais payé DLC à 25, tu sais, au lieu de 30. Ouais. Et honnêtement, pour voir tout ce qu'ils avaient rajouté, et en vrai, pour beaucoup, c'était que dalle. Et en réalité, il y avait beaucoup de trucs. Enfin, faut juste pas rush en fait. Je l'ai expliqué aux gens. Il y a beaucoup de gogoles qui ont rush les jeux avec des Pokémon niveau 100 et qui ont dit oui, le jeu il est trop facile. Tu vois, les DLC sont trop faciles. Ah bah après, faut pas être non plus teubé, tu fais ce que tu veux. C'est avec ça. Tes DLC, mais. Mais quand tu sais que t'as utilisé tes Pokémon niveau 100 sur le truc. Dis pas après, ouais non, le jeu est trop facile.
Ça, c'est ce que je voulais balancer. Bon, moi, le premier truc que j'achète, c'est sur. C'est sur Écarlate. Comment je vais pouvoir le faire? Putain, je suis en train de le chercher. Je vais l'acheter sur le e-shop. Putain, ça fait un bail que j'ai pas téléchargé tout via le e-shop. Et bah, moi aussi, j'ai envie de te dire, ça fait tellement longtemps que j'ai surtout pas ouvert ma Switch. J'ai repris Pokémon, j'ai fait aïe 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 aïe, maman. J'ai essayé un truc. Ce que j'ai essayé, c'est vraiment sympa. Et en gros, tu vois, c'est. J'ai voulu tester tous les trucs possibles. Quand tu as, tu sais, les bandeaux là, tu sais, les points de pouvoir. Et ben, si tu mets le truc vitesse au premier Pokémon qui veut que tu veux entrer dans vitesse, et ben, et que t'en mets pas aux autres de bandeaux, et ben, ils vont gagner des EV dans n'importe quel stade. Tandis que si tu les mets dans les trucs spécifiques, ils vont gagner dans les trucs spécifiques. Et ça, c'est obligé maintenant. Ça, c'est cool. C'est plus le Pokémon en question. Ouais. Oh, oh, oh. Et moi je risque d'avoir peut-être le Zera. Le Zera. Le Zoroark. D'ici. Ouais. Si je l'ai, j'essayerai de faire un 9 et je t'en enverrai. Bah en fait, j'ai déjà vu un mec avoir un Zoroark 18 déjà. Oui, mais non, c'est avec les précommandes des trucs. Des DLC. Ouais. Ok, donc il y a déjà un mec qui a déjà acheté les DLC, d'accord. Oui, mais après, c'est comme je te l'ai dit, je peux t'en faire un, tu vois. Ça en vrai, non, non, en vrai, je m'en bats les secs parce que je peux les avoir après dans le Pokémon Home, donc. Bah, pas pour l'instant, je te vois. Ouais, mais je sais, de toute façon, c'est en mars, avril, mai qu'ils vont arriver le Pokémon. Ah donc, prochainement. Par donc, contre, attention. Attention, quand tu achètes bien un compte gaming. Ils te disent oui tu as ça et ça. Ouais. Et tu dois choisir le vœu. Donc en gros tu peux en acheter un et le mettre pour l'autre. D'accord. Donc là j'ai ce bonus là. Antidote. Para. J'en ai trop, ça, 6, 3, ok, j'ai le code, 6, 3, ça les Pokéball j'en ai beaucoup trop, mais bah du bolou. Tu peux tweeter Pokémon Écarlate et Pokémon Go, au cas où. Pokémon Écarlate et Pokémon Go, oui, non mais oui. Mais pourquoi je les relirais pour l'instant je. C'est surtout toi bah que c'est fait, pas. Tu peux avoir des millions des différents sorts en fait. Ouais. Ça. Je peux te mentir. Et des items en plus. Et question, est-ce que tu as fait Morph Speed, le code, pour avoir 10 carbone en plus? Ça non. Non, je l'ai pas fait, j'ai pas. J'ai envie de te dire maintenant les codes, je m'envoie un peu les secs, hein, vraiment. Là, l'argent, bah, je peux en avoir. Honnêtement, ça te quand même fait économiser 100 000 balles, tu vois. Et honnêtement, c'est pas si dégueulasse. Ça, c'est toi, c'est des carbones, tu vois. Ouais, je vois. Donc, en réalité, c'est toujours, on va dire, bénéfique d'avoir des carbones. Ok, tu sais, les pilules talent, ça coûte des 100 000, tu les revends, etc., tu vois. Et après, les poussières de toi, tu t'en bats les pieds. Mais là, les carbones, c'est trop utile. Non, attends, je vais pas vendre mes baies parce que mes baies c'est important en fait. Parce que je vais les utiliser en strat aussi. Oui, t'as 6 baies importantes, ouais.
Non, j'étais en train d'y penser. Bah après, un portant bon, strat dans les EV, et t'en as d'autres, oui, qui sont importantes aussi, mais... Je t'avoue qu'il y en a très peu que je vois utiliser des B. Hein. Bah c'est surtout la BC truc qui est utilisée. La BC truc, oui et non, je sais qu'il y a la B prime. Mais il y a d'autres B en fait, mais ça va dépendre des gens. C'est ça. Est-ce que tu es sûr que tu veux pas un Zoruya issui? Je suis sûr, t'inquiète, de toute façon je peux l'avoir avec Pokémon Home donc... Pas maintenant. Je sais, ça je pense, c'est avril, mai ou... mars, avril, mai, donc ça doit arriver prochainement. Donc en vrai, attendre 2 mois, grand max, j'ai envie de te dire. En fait, c'est pour ça que je trouve ça débile en fait. T'as des cadeaux en plus, c'est un Zoroark d'issue. Mais en gros, le Zoroark d'issue, tu vas bientôt l'avoir en fait. C'est. Alors oui, mais celui-là, il est spécial. Il a une capacité spéciale que personne pourra. Bah, que aucun autre pourra avoir. Oups. C'est pas plus mal. À voir. Bon allez, 1 293 000, let's go. Alors, est-ce qu'il est strat au moins? Et du coup tu peux capturer qu'un seul ver de fer et qu'un seul sapin d'eau. Tu peux pas en capturer 2. Je préfère te préciser au cas où. Un Helgon. Ouais. Et tu peux capturer qu'un serpent d'eau et qu'un seul ver de fer. Est-ce que tu m'as entendu? Oui, tu peux capturer un seul de chaque, je sais ça. Ouais, non, mais je sais pas, tu me répondais pas donc. Non, c'est que je suis en train de répondre à. L'aromate sérieux, comme des zéros. UV, il était foutu. Ouais, donc ils ont un aromate en plus, c'est l'aromate sérieux, ok, d'accord. Mais je cherche en quoi je vais pouvoir le faire parce qu'en fait là il y a beaucoup trop de stats que je ne veux pas bouffer. J'aurais bien voulu l'augmenter en. En vrai de vrai, attendez. Je sais comment je vais l'augmenter. Talent, non. Donc il faudrait que je augmente sa défense et que je diminue sa vitesse, donc ce serait un relax qui ferait. Sa défense comptera plus facilement mais sa vitesse développera. Hop là, le désir. Il est niveau 50. Donc ça c'est bon. Ok, il a la capa... il a le Terra Crystal Ténèbres. Il a Etren, Cœur de Rancœur, Machination, Terra Explosion. Tu parles de qui? Ah, tu parles du Dissui. Zoroark, ouais. Ok. Avec la Pokéball événementielle, bien sûr. Mais je vais voir si on peut faire des œufs. GG à toi, Super Gohan, pour ton level 15. GG à toi. GG. Bah déjà, PV. Je vais lui donner des full PV. Plume de santé. Moi, il faut que j'essaie de télécharger ce putain de jeu. Ok. Tac. Je crois que c'est 26 en globalité. J'en ai donné un.
voilà, je lui en donne 10. J'ai pas de truc qui augmente la défense, non. Full défense. Et du coup, en défense spéciale, est-ce que je peux encore un petit peu monter? Non, c'est bon. Donc, normalement, là, moi, je l'ai fait un peu en tanky. Donc, défense, ok. Alors, défense, on a des informations okay. Sur les Pokémon qui vont arriver. Il y a deux générations de Pokémon qu'on pourra pas avoir. Qui vont être déverrouillés par contre. Il y a deux générations qui ne pourra pas être qui sont pas marquées pour l'instant. Mais parce qu'on a déjà en Shinobi et je pense que les deux autres vont être présentés, je pense. Tu parles des deux autres starters? Ouais, il y a en Shinobi qui peut pas, donc Goupelin, la famille de Goupelin et la famille de Blindébi que je pense qu'ils vont être. Alors j'avais alors pour tout ce qui est Pokémon non en Pokédex, je l'avais déjà mis la liste, elle était déjà ouais, indiquée auparavant. Je me souviens plus. Alors attends. Que je te dise ça, que je retrouve le truc, parce qu'en vrai, j'avais mis dans le serveur de Discord. En gros, on aura quelques Pokémon qui seront indiqués, et toutes les générations, il y aura au moins un Pokémon, une famille de Pokémon, sur un 100%. Par contre, il y en a certains, attends. Faut que je retrouve. Je crois que je l'avais foutu dans Blabla Pokémon. Tac, tac, tac. On va essayer de retrouver le site. C'est bon, je vais retrouver le site. Les Pokémon introuvables, alors dans la première génération, donc on aura que 8 Pokémon compatibles, donc Salamèche, Reptincelle, Dracaufeu. On aura aussi Articodin, Elector, Sulfura, Mewtwo et Mew. Il y aura pas que, hein. Avoue qu'on a une liste beaucoup plus approfondie suite au DLC, il y aura pas que. Première génération, en tout cas, c'est seulement ça qui était indiqué pour la première G, je te précise. Oui, non, alors. Je te le dis, il y a eu des Pokémon en plus, c'est pour ça que je te le dis. Avec les DLC, il y aura 280, je crois, Pokémon, 260, entre 260 et 280, je crois, d'après ce que j'ai lu. Oui, non, mais c'est ça. Pokémon en plus. Alors, il y a beaucoup plus de Pokémon de la première génération. Il n'y aura pas que 8, il y en aura beaucoup plus. Bah, pour l'instant, il n'y en a que 8 qui ont été indiqués par rapport à ça. Ah, il n'y a pas marqué Lamantine. Lamantine, non, il n'y a pas marqué Lamantine, et pour toi, il y sera, tu vois. Bah à voir, mais pour l'instant c'est il est pas indiqué comme quoi on peut l'avoir. Comme deuxième génération, on aura que la famille de Hérissandre, donc Hérissandre, Ferrisson et Typhlosion dans la deuxième G. Pour l'instant qui est seulement indiqué. Troisième génération, il y aura que Kyogre, Groudon et Rayquaza. Tandis que la quatrième G, il y aura Créelf, Créfolé, Créfadé, Dialga, Palkia, Etron, Giratina, Cresselia et Arceus. Etrade, pas Etron. Etron, ou si tu veux, moi je l'appelle Etron. Etron. Etron, c'est autre chose. Etron, moi je l'appelle comme ça. Je me casse pas la tête en vrai. Chacun fait sa prononciation. Pareil, cinquième génération. Moussillon, mais c'est Matloot et Clamiral. Tandis qu'on aura aussi Boreas, Fulguris, Demeteros, Meleota. 6ème génération, Marisson, Boguerisson, Blindépic, Fennec, Roussil, Goupelin, Grenousse, Poipoal, Amphinobi, Stracie, Diancy, Oupa et Volcanion. Et 7ème G, Brindibou et Flèche et Arkéduc. Avec Magierna. La 8G, Wistempo, Badaboum, enfin Badabouin, à la con, Corrythmic, non mais j'ai horreur de la ce Pokémon. Flambino, Lapiro, Pyrobut, l'Arméléon, Aurosar, Lézargus, Zacian, Zamazenta, Eternos, Wushurs, Chifurs, Zarude, Regieleki, Regidrago, Bisval, Spectroval, Silveroy, Serpelin, on aura aussi Archicateur, Rossaking, Paracruel, Farfurex, Quilpic et Armoverus.
Voilà, voilà. Donc après, à voir ceux qui vont rajouter en plus, mais... salut à toi pour... Il y aura Lamantine. Déjà, tu peux être sûr, il y a Lamantine parce qu'elle a été mise dans les... Il va y avoir 3 nouveaux Pokémon avec les DLC. Attends, je suis en train de chercher exactement. Putain, pourquoi je l'ai eu sur mon téléphone et pas là-dessus, putain. Bah après, à voir ce que ça donne, hein, vraiment les DLC. Alors le premier, je dois le dire. Le premier, c'est. Comment dire, la zone grisée, donc c'est pas Kalos, mais c'est la zone grisée. Et le deuxième, c'est un échange de d'école. Donc tu sais, c'est un peu ce qui va ressembler à un style de. Mince. Pour beaucoup, c'est style. De combat, mais moi je pense plutôt c'est style comme une ligue, tu vois. Ou peut-être les deux en même temps, on sait pas. Egon et Jill et Banane, mais espèce de banane quand même. Non, mais je suis en train de regarder sur le truc. Liste des Pokémon de retour sur Nintendo machin truc, ok. Alors, après les trois starters première génération, Abo, Arbok, Sablero, Melofé, Melodel, Coupix, Fenamis, Ortide, Rafflesia, Petit Tart, Tétar, Tartar, Chétifleur, Boustifleur, Ampluflor, Tentacool et Tentacruel, la famille Racaillou, on va faire plutôt comme ça, la famille Dojo, Otaria Lamantine, la famille Nanef, la famille Kikli, Tainou, etc. Smogo, Rhinocorn, bah la famille de Rhinocorn, Hippotrampe, la famille d'Hippotrampe, la famille Yektek, la famille Magmar, la famille Loclas, bah Loclas quoi, la famille Porygon, la famille Ronflex, les trois starters de la deuxième génération, avec la famille Fouinette, Hoot-Hoot, Mimigal, Loupio, Melo, c'était déjà dit, Joliflor, Tarpo, Capumin, Yanma, Axonoto, bon Axonoto était déjà là donc voilà. Scorplan, Snubbull, Limagma, Marcacrin, Hermure, Kelurior, T-Rog, c'est quoi ça? Le Pokémon T-Rog, c'est qui? Aucune fiche traînée. Bah moi non plus. T-Rog Pokémon. Ah putain, mais les gars, dites-le en français. Ils ont mis en anglais, c'est débutant. Arco, bah les trois starters 3G, Medjena, Grayena, Nunupio. Ouais, donc il va en avoir quand même pas mal. Donc, Ouais, il y en a vraiment beaucoup. Et si jamais j'ai la liste. Attends. C'est ici, je crois. Voilà. Premier volume, on retrouvera principalement, parce qu'on a vu dans les trucs, la famille Coupix, Grenupio, Corillon, Yanma, Larvibule, voilà, et Barbo. Dans le deuxième, Zébibron, Crémy, Duvet, Terral, avec Metalos à la fin, Otaria et Sistigri. Nouveau Pokémon volume 1, Felicanis, Fortuna et Fabiano. Ça va être différent, mais ça c'est les trucs qu'on a vu sur le, tu sais, sur la présentation. Ok. Donc voilà, il y a des gens qui ont fait la mise à jour, qui ont tout inspecté. Et voilà pourquoi on a une liste beaucoup plus grande. Donc on a les starters de la 1 à 4G minimum. Ouais. On n'a pas les starters 5G. Donc ça veut dire qu'ils préparent un DLC, pas un DLC mais potentiellement un remake ou
ou autre. Bah j'espère en tout cas. Bah t'es obligé de toute façon une fois qu'elle a sur la Switch 2. À moins qu'il la fasse sur cette Switch là parce que comment dire, Pokémon Diamant et Perle était sur la même DS que la DS Noir et Blanc, tu vois, que Noir et Blanc. Ouais c'est ça, et vu que Noir et Blanc en fait il est passé sur DS mais il était aussi compatible avec 3DS mais avec la nouvelle cartouche ouais, parce qu'ils ont fait. Ouais c'est ça. Noir et Blanc 2 est compatible avec le jeu Pokémon Pokédex 3D que j'ai, vu que c'est un bon truc. Ou en tout cas, je sais plus comment ça s'appelle, mais je crois que c'est Pokédex 3D. Et en gros tu peux recevoir des Pokémon avec des talents cachés ou des Pokémon voilà que tu n'avais pas spécialement des talents cachés dans Pokémon Noir et Blanc 2. Ok ok. Genre j'ai chopé des Lucas, des Riolu avec les talents cachés des points. Les starters 7G. Les starters. Bah il y aura pas les starters VG Marc, mais c'est peut-être parce que c'est déjà annoncé mais on verra. Mais il y a au moins les 1 à 4G et 7G. Donc là il y aura 5 générations en plus de starters. Avec dedans jusqu'à Ekaizer, il y aura Nicosier, Krisnicha, Morpeko, et après les formes évoluées de Pokémon de Pokémon Arceus. Donc Cyberlin, Ashikater, Ursaquin, Paraguel, Furex, Wulpig et la Mobidus. Donc ouais, si tu veux je t'envoie le lien. Okay, non, mais bah, si, bah, après tu peux envoyer dans le blog à Pokémon. Mais ouais, je me suis rendu quand même, c'est pas mal, tu vois. C'est pour ça que je te dis qu'il y a beaucoup plus. Et c'est pas plus mal. J'espère juste que dans le tas, il y aura la possibilité d'avoir l'Ansargo. C'est obligé pour moi qu'il y ait l'Ansargo, surtout si à côté il y a des petits skills. Le mec, s'il l'a pas, il va chialer. Non, c'est pas que il va chialer, il va faire ah, j'ai pas eu mon Pokémon. J'ai trouvé, comment dire. On va par contre la prendre directement. À place de Blizzard, voilà. Il n'y aura pas de grosse attaque, mais au moins du poids hyper tanky, normalement toute logique avec les attaques qu'il a. Donc il a les attaques pour. Qui, quoi, à part pour Serpentodo, je sais. Enfin, Serpentodo, je sais. Mais pour faire de. Vert de fer. De quoi? T'as dit quoi? Pour le second paradoxe, le serpent rouge, je sais que t'as déjà pomme de terre. Bah pour l'autre, verre de fer, c'est Flamigator. En vrai, j'ai fait et ça fonctionne très très bien. Flamigator qui passe énormément parce qu'il est spectre feu. Il a des attaques comme lame feuille. Il a des attaques combat. Il peut avoir des attaques plantes. Il peut avoir. Il a aussi l'attaque insecte. Donc il a une attaque insecte. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, mais il en a une. Et qui fait vla mal, c'est Esca, enfin Ecorn, je sais pas quoi, de mes fesses, je sais plus. Attends, je vais te le dire. Et il a une attaque psy aussi. En gros, ses attaques, c'est Megacorn qu'il a en insecte. Danse lame, lame feuille et lame psychique. Et vu que leurs trucs sont boostés avec leurs stats. L'argile, je suis foutu le l'argile. Est-ce que j'en ai un? J'ai le glacier, ok, mais non, moi c'est l'énergie qui me fait. J'ai pas de l'énergie? Oh, j'ai pas de l'énergie. Oh. C'est bon, j'ai posté le truc. Ça marche. Mais ouais, non, en vrai, vraiment, vivement les DLC.
moi je suis content, j'ai déjà celui-là. Moi j'en achèterai que un personnellement, donc celui de violet. Hein. Je vais pas m'amuser à acheter les deux. Alors moi je vais acheter les deux, je t'avoue. Bah après et Pokémon oui et non, moi personnellement oui et non, parce qu'en fait littéralement je pense pas acheter tout de suite, en tout cas le deuxième peut-être plus tard. Ah oui le deuxième mais... non moi ça sera, ouais ça sera plus tard, le premier je l'ai déjà. Alors tu as des nouveaux, je sais pas si tu as vu, mais tu as des nouveaux trucs, des nouveaux habits, des nouvelles belles uniformes. Enfin, ouais j'ai vu. Moi je vais voir. Par contre, attends, des nouvelles tenues, seulement pour ceux qui ont pris les DLC ou c'est parce que... Ouais, c'est que seulement ceux qui ont pris les DLC. Ok, mais ouais, parce que j'ai vu qu'il y avait des nouveaux uniformes, ça, ils ont fait un petit peu l'effort pour ça, mais je suis sûr que les uniformes, ils sont dégueulasses, c'est un peu dommage. Oh non, il y en a des sympas. Il y en a des sympas. Ouais, après, ça, honnêtement, il y a des oranges vraiment partout, mais en vrai, c'est pas plus mal. Mais t'as des nouveaux sacs, par exemple. Ok. Mais là dans les boutiques, si je vais dans les boutiques, il n'y a pas eu de nouveau, on va non. dire. Non. C'est que directement via le... Ah, malheureusement. Hein. C'est seulement débile. C'est... Enfin, ah, débile oui et non, en fait. C'est surtout, en fait, c'est débile, en fait, dans le sens de la façon où, comment ils l'ont fait, en fait, en tout cas. C'est un peu dégueulasse pour ceux qui aiment bien le style de... Le style de la mode. Ah, il est moche le sac à dos. Alors, cadeau de c'était là, ok. Ah, il est beaucoup plus beau le sac à dos scolaire qu'on reçoit, je dois avouer. Ouais. On a une nouvelle casque. Non, je t'ai dit non, Aizen. On a un chapeau. Mon chat qui est insistant, je lui dis non, mais il comprend pas. Il a du mal. Non, Aizen, stop. Putain de Dieu. On me tape. Il est pas là-dedans. Non, c'est-à-dire que l'imagine il est là-bas, attends. Dans la dernière ville que j'ai pas checké, putain. Est-ce que les nouveaux cheveux sont arrivés? Ah parce qu'il y a aussi des nouveaux cheveux. Ouais, bah oui, ils ont rajouté plein de. Jambe. Non. En plus, c'est la boutique K2Z, elle est en bas. Elle est tout en bas. Mais ouais, j'ai vu les images, je sais pas si toi aussi. Quoi ? Des présentations, DLC, etc. Ah, si, j'ai vu vite fait pour ça. Alors. Il y a Pokémon Master, tu sais, leur truc application téléphone, machin truc, qui fonctionne plutôt bien. Mmh. Ils vont rajouter des néo-champions. Donc en gros, il y a Nabil qui est habillé comme Tarak. T'as l'autre là, le connard de mec là, Travis. Travis. Ah bah, ils ont foutu Marie. Non, je crois que c'est pas Marie-Lise, si, non. Marie, non, c'est... Rosemary. Rosemary, oui. Rosemary, Nabil et Travis qui ont une nouvelle tenue. Et en vrai, bon, Nabil est comme Tarak, honnêtement. Il est habillé comme Tarak, donc moi je trouve pas ça ouf. Par contre, les tenues des deux autres, elles sont assez stylées. Ils ont tous les trois un oiseau légendaire. Uh-huh. Mais ça, c'est sur Pokémon Master. Mais voilà quoi, des petites informations à droite à gauche. Ah mais je vois. Voilà, enfin t'as l'objet, donc peut-être tu me casserais plus la tête. J'ai déjà un Pokémon dans la nouvelle team qui est fait, en toute logique. Donc ça c'est bon.
Blizzard Roi. On va le renommer. C'est celui-là. Par contre, il faudrait que je mette après des capsules d'argent. En fait, je retire, il y a juste un chapeau en plus. Voilà. Par contre, ils me disent que j'ai encore des trucs en plus, mais je sais pas quoi. Moi je le fais pas stratégique le truc actuel. Il y a vraiment moyen de changer le clavier en JAP ou des trucs comme ça, attends. Je crois que si, oui, voilà. Choisissez le clavier. J'aimerais bien, mais c'est que ça ne met pas ce que je veux en fait. Ça, c'est du russe. Ça, comment je le reconnais, parce que ça, c'est jeu. Le R à l'envers, c'est jeu. Et j'essaie d'apprendre le russe, et en vrai, c'est un peu galère. Ok, je m'en rends compte. J'aime pas la langue japonaise. Italiano, Quarti, Verlandais, Patugesh. PSNAC, donc et le PSNAC à QWERTY aussi. Donc le russe et le russe à QWERTY. Single. Sans déconner, ils ont mis des trucs single, ils se sont donné de gueule. Oh fuck. Bon bah tant pis, je vais les renommer en façon française. Et je voulais leur mettre la vraie écriture. Mais... Ce qui paraît, c'est pas possible en tout cas pour nous qui sommes français. En anglais, il s'appellera Yukino. Avec un peu bizarre. Déjà Yukino a été fait, donc elle a les bonnes capacités, les bonnes idées, que j'ai fait à fond. Ouais, c'est bon. C'est pas spray, j'ai fait le goût d'une voiture. Let's go. Mais PO, elle est chiante, hein. Qu'est-ce qui se passe encore? Ah, PO, sur le serveur de Lynn, il parle de Pokémon, etc. Parce que moi aussi, j'essaie de les aider avec des informations, tu vois. Mm-hmm. Et j'aurais dit que si besoin, j'irais les aider, tu vois. Ouais. Logique, tu vois. Et PO, elle fait des efforts, notre professeur Pokémon. Je suis ni fort ni professeur Pokémon, faut arrêter. J'ai dit à force, je vais vous défier en combat Pokémon pour prouver que non, je suis pas fort. Et balance, tu vas nous démonter. Je dis bah non. J'ai hâte de dire bah non. Pardon. Ok, donc à lui. Il y a qui d'autre? C'est le Givrali qui est là. Ok. Dans la team glace, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Là, il y a le Dimoré, ok. En vrai, Dimoré qui peut être pas mal. Bec à glaçon. Poste à bruit. Mise à voix, c'est fait. Belle de neige. Parce que j'ai compris, il y a notre cher micro qui est bientôt hors. Il est bientôt hors. Ouais, je suis au point. Belle balèze. Ok. Oh putain, par contre, il a une attaque trop piège. Elle piège de trop les ennemis. C'est ça.
Ouais. Ah, si tu fais bien le balbalaise. Oulala, honnêtement, ça a un risque pour tous tes adversaires. Baojin. Ok. Surtout que j'ai quand même pas mal de Pokémon Shiny glace, donc ça c'est cool. Tu l'as eu le balbalaise? Non, non, je l'ai pas. Bec à glaçon, je l'ai aussi. J'hésite, je suis médisant sur ça. Attendez, quand on regarde sur le Pokédex en globalité, qu'est-ce qu'on a? Parce qu'on a déjà fait le Bizarroi. Je compte faire aussi le Balbalaise. En vrai, le Balbalaise. La différence entre le Shiny et Hot. En vrai, le Shiny, il est vachement beau. Ça, y'a rien à dire. Au pire, ce qu'on peut faire, c'est essayer de le choper. Un fort recette brillance. D'accord, le Discord qui a changé les positions des affiches. En fait, quand maintenant tu mets des images et autres, ça les met en. Regarde dans les recettes brillance, maintenant ça les met côte à côte. Maintenant. Ce qui est pas plus mal. Regarde en recette, info recette brillance, tu vas voir. Maintenant les images ne sont plus de ces en dessous, en fait au dessus et en dessous, maintenant ils sont gauche droite. Ah ça c'est pas mal ça. C'est selon vous voyez maintenant oui je vois. Ouais c'est pas plus mal, au moins on voit mieux. Ouais c'est ça et au moins ça fait. En fait c'est images par. En fait c'est les images envoyées par message. Et ça se met côte à côte. C'est pas plus mal en effet. C'est faut ça. Juste cliquer dessus pour voir ce que c'est mais au moins. Ouais non mais c'est ça mais de toute façon qu'on voit le titre en vrai. Bah nous de notre côté ce qu'on va faire c'est que on va faire la recette du coup pour essayer de choper le balbalaise en shiny. Bah, les gens qui disent que je vais les battre etc ça me saoule hein. Ils m'ont pas vu avec mon plein potentiel à l'époque. Là je rigole, je fais moins attention. Mais le retour de Mystigrix veut dire que je vais tryhard. Et vaut mieux pas. Il vaut mieux pas Bah non Mystigrix Bah en vrai vu qu'il y aura de nouvelles possibilités de Pokémon, en vrai moi ça m'arrange parce que du coup je vais pouvoir faire d'autres Pokémon en strat et ouais, ça va être pareil. Cool. Parce que là en vrai là je me limite à par rapport à ce que nous on a. Mais une fois les DLC qu'on a, je pense qu'il y en a certains qui vont changer dans mes teams, surtout que le team Mystique que je suis en train de créer là, je suis en train de faire, donc avec Pinsan, il y a Bizarroi dedans. Le Bizarroi qui est quand même assez sympatoche. Ouais, j'ai eu 10 BLK en un coup là. Technique. Oui, c'est possible, tu les as trouvés par terre? Ouais. Oui, c'est possible. C'est rare, je suis plus habitué en fait. Comment ça, t'es plus habitué? 10 BLK. Ah ouais non mais pendant un moment je faisais ma recherche de baie. Ta recherche de baie. Pardon. Non fais le mouton si tu veux. Donc je faisais ma recherche de baie et j'avais voilà. J'avais pas le mouton. Question, est-ce que tu veux que j'aille voir mon raid de 6 étoiles ou pas? J'ai pas regardé le mien mais tu peux toujours regarder, ouais. Faudrait que je fasse aussi merde. C'est le corset je crois. Alors déjà bâtonnet de Craparoua pour les rencontres, par contre il y en a 3 hein. Ça c'est cool. Ah oui c'est vrai. J'ai les tauros de feu actuellement en apparition massive. Oh sympa. Ouais. J'ai été étonné de les voir je t'avoue. Alors j'étais en mode bah c'est bizarre, c'est étonnant, d'habitude j'ai pas ça. Donc je suis à deux doigts de faire tu sais mes dernières épices en feu pour essayer de le choper en chromatique. En chromatique. Par contre, en chromatique, il a le pelage gris. Hein. Alors, on sait pas pour les farms. Si, pelage gris. Mais il est pas très visible, je précise. Ouais, donc la nuit, c'est pas bon. Non.
Je te déconseille. Je te déconseille. Bah tu vas voir en fait, en gros tu sais il est noir avec un pelage gris, bah là il sera gris avec un pelage noir en fait. En fait c'est juste un peu inversé et en fait tu vois pas trop la différence, vraiment. Parce que vu que les couleurs sont quand même assez foncées. Attends, moi je vais à la tour d'observation, je vais essayer de me faire une, tu sais, des... Un truc ténèbres. En gros... En gros, je sais même pas comment je pourrais te le décrire réellement, la différence, mais je sais qu'en fait, il y a juste le pelage qui change de couleur, en gros, qui... Valou. Par contre, j'espère tomber sur le putain de balbalaise, ou le piétis, le piétacé. Alors, piétacé, t'auras plus de chance, je pense. Piétacé, c'était quoi qui change En fait, il est foncé, il est gris en fait. Oui, gris déjà, oui. Et le truc rose, ça devient ça devient un peu orangé. Ouais, c'est ça, au lieu de rose. C'est ça. Mais du coup, là, on risque de rencontrer d'autres si shiny. Si tu fais que glace. Ouais. Ouais. Moi je suis tombé aléatoirement dessus, je t'avoue. Ouais non mais j'ai décidé de se faire aussi en même temps glace, comme ça au moins voilà. Oh t'es grand mort, le Blizzy qui s'est planqué dans un arbre quoi, pitié. Avec ton alerte. T'as vu, je sais pas si c'est nouveau, parce que moi j'avais jamais fait attention. Mais il est pas chez Rizou, il grimpe aux arbres. Non c'est logique. Non, tu les vois grimper aux arbres. Bah oui, non, mais j'avais déjà vu ça ou pas avant. C'est pas une mise à jour, c'est pas par rapport à la mise à jour, c'est ça y était déjà. Ah ouais. Bah oui. T'avais aussi les tisamboules qui venaient sur les arbres, etc. aussi. Ah oui, non, eux ils étaient déjà postés, etc. Mais moi je les voyais pas monter en fait. Ah, moi je les ai déjà vus monter. Voir, bon, tu vois, voir manger des baies, voir dormir. Oui, voir un peu hurler, etc. Oui. D'accord, donc pour toi ce serait nouveau, mais non, en vrai non, ça y était. Après c'est vrai que c'est rare de les voir. Alors là les belles balaises, vous êtes un gang, mais s'il vous plaît, pitié, faites un effort. Un petit effort quoi. Là il y a beaucoup de balbalaises donc ça va. En vrai les balbalaises sont sorties ce soir. Ouais nickel, les balbalaises sont sorties. Et je crois pas qu'ils aient corrigé le bug que j'avais trouvé. Ah. Je sais même pas si c'est un bug ou je crois que c'est legit, tu sais, mais je crois pas qu'ils l'ont corrigé. J'irai vérifier. Ok. Par contre, j'en veux un grand petit. Voilà, merci d'enlever la neige. Les grands becs, c'est aussi ténèbres? Oui, c'est un ténèbres insecte. Il y a qui dans Pokémon vol là-dedans alors? Dans la forêt de bambou? Non. Dans la montagne de l'Amélios. Je recherche un corbeau. Je recherche un corbeau cornèbre. J'ai eu le cornèbre chromatique là un peu. Ouais. Mais moi je veux. Ah tu me connais hein. Regarde, même si je garde le Némélios que tu m'as trouvé en mâle, voilà. C'est le mien que j'utilise le plus, tu vois. La conscience. Mais... Bah oui, non, tu. C'est un cadeau et des cadeaux je les donne pas, tu vois.
Après, c'était surtout pour te dépanner en même temps et faire ma recherche. Ouais, voilà, ça t'a fait en plus. Donc, ça, c'est très gentil, attention. Tu vois, je l'ai pas jeté non plus, je l'ai gardé, tu vois. Par contre, ouais. Ouais. Mais en vrai, le Pokémon Home, il va pas tarder à arriver. Parce qu'ils avaient dit soit mars, avril, mai. C'est ça. Donc c'est pour ça, en fait, il le... Il va tarder, ou peut-être un peu avant le début printemps, mais si c'est en printemps... Non, non, c'est en printemps, c'est en printemps 2023, ils l'ont ah, dit, oui, non, ça, ah. Mais... enfin, ça, ils ont dit que c'était printemps 2023, mais ils ont pas donné de date, en fait, c'est ça, surtout. Et hop, oui. J'en ai un. Ouais, j'en ai une. Après, s'ils le repoussent, ils auraient dû déjà donner les informations bien avant, mais... Toi aussi, maintenant, les captures, c'est obligatoirement pour que les captures compétitives. J'ai pas checké. J'ai pas checké parce que je me suis pas amusé à capturer encore un seul Pokémon, mais... C'est vrai que capture critique, j'en ai eu pas mal, hein, auparavant. Même un Pokémon que j'ai déjà en Shiny, ils veulent pas me le donner. Par contre, les Algel, ça serait cool aussi de l'avoir en Shiny. Allez, heureusement que j'ai Malbalan. Allez, ma Malbal. Ouais, c'est capture critique quand tu veux les capturer. Putain, c'est chiant. Quand tu les mets à très bas niveau, etc., c'est capture critique. Aïe, 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 aïe. J'espère qu'elle est de bonne taille. Je veux pas une Nimbus. Non, j'en ai un peu marre des Pokémon nains en chromatique. Parce que la plupart de mes chromatiques ils sont nains ou taille normale. Bah écoute. Non, mais le pire c'est que j'ai mon Mangriffe. Il est trop stylé. Talon caché, stratégique, etc. Chromatique. Et ce connard. Il ruine un peu mon espoir. Bah écoute, il est petit, bah on dit souvent que les plus petits c'est les ténus. Hein. Ouais. Ouais. Pas trop d'accord ouais. Sur cette théorie. Ouais. Pas trop d'accord. Je suis pas sûr qu'elle soit du Francis. Je suis un peu fier. Ouais. Déjà pas de l'écrire, commence pas à juger les autres. Okay. Ah ouais, mais j'ai pas dit pas le contraire. Hein. J'ai dit je jugeais, mais j'ai pas dit le contraire que j'étais meilleur. Tu sais pas l'écrire, donc tu te chutes. Tu te chutes. Tu fermes tout bouche. Tu fermes tout bouche. Eh, tu te tuches. Tu te tuches. Et chute. J'ai tuche. Chute. Eh, chute. Eh, faut chute. Eh, faut chute, chute. Eh, c'est plus cher. Eh, arrête de critiquer, hein. Eh, c'est plus cher. Arrête de critiquer, je te le dis, hein. Pochin. Ça oh, putain, si jamais après la débarque avant mon équipe à dire non, je te dis. Oh! Y'a une personne qui veut m'affronter en combat Pokémon! T'as vu ou pas, y'a les. Par contre, cette fois-ci, c'est les. C'est les classés, mais. Par pays. Pour les World. Ouais, ouais, c'est pour les World. J'ai mis à inscrire et c'est des trucs duo. Ouais, je vais y participer, c'est pour les duos et c'est pour le 10 et 13 mars. Alors duo solo, c'est-à-dire duo obligatoire. Et toi tout seul. Oui, c'est toi tout seul. En fait, c'est duo et 4 Pokémon. Ok. Tu vois, par exemple, je me suis dit, ouais, je suis sur un serveur où ils font des tournois, tu sais, officiels. Donc, ça me plus, tu vois. Et en gros, il y a des trucs duo, mais le duo c'est avec une autre personne, tu vois. C'est en combat multi, techniquement. Je vois. Et en vrai, je me suis dit, dommage que j'ai quelqu'un pour ça, sinon j'aurais demandé à Did. Ça, je t'aurais invité sur le serveur, j'aurais dit, vas-y Did, on peut le faire, ou est-ce que ça m'intéressait, etc. Tu m'en dis ou non. En vrai, en termes de duo, tu vois, je suis pas le plus à l'aise, parce que duo, j'ai du mal à m'adapter en fait à mon allié ou quoi que ce soit, mais
En vrai, ça peut être facilement rattrapable parce que tu sais, même avec des Pokémon, tu sais que je joue en classé solo. En vrai, la plupart du temps, je les maîtrise. Mais après, faire une équipe, tu sais, qui compose de des Pokémon de l'allié, en vrai, ça peut être simple. Par exemple, tu vois, avec le Voltaïque que tu vois, je prends un Pokémon qui fait full attaque, tu sais, électrique, mais tu sais, qui fait sur tous les Pokémon même alliés. Comme ça, tu vois, tu peux récupérer en même temps, etc. Enfin, tu vois, des trucs comme ça, tu vois, des. Ah ouais, alors si c'est ça, on attend. En vrai, moi, ce que j'ai dit, c'est que je préfère attendre l'arrivée des DLC. On m'a demandé pourquoi, j'ai fait. Je sais qu'il va y avoir du Lagron. Lagron qui va être très cher, ouais. Tu connais mon Lagron ou pas? Oui, oui, non, mais je m'en rappelle très bien de ton Lagron. Très cher. Et en combat duo, honnêtement, duo Voltali Lagron, c'est un truc de ouf. Et salut à toi, comment il s'appelle, Fourbelin? Viens dans mon. Voilà, je te capture tes chromatiques. Fourbelin chromatique, laisse. Par contre, moi de mon côté, c'est que je veux dire. Doutier. Qu'est-ce qu'il fout Je veux savoir tes attaques. Assurance. Ah, je crois que j'ai pu me casser les pieds. Ah. C'est-à-dire. Ouais, pour les chromatiques, j'ai pu trop me casser les pieds. En fait, dis-toi que exceptionnellement, pour certains chromatiques, je préfère les capturer dans des Pokéball spécifiques. Riolu que j'ai trouvé, j'ai capturé avec Luxeball, tu vois. Parce que c'est à l'époque de Pokémon Noir et Blanc 2. J'ai réussi à choper une Luxeball grâce à mon Pokémon Grand Passage. Et donc je fais ça, tu vois. Mais c'est cool, je kiffe. Ouais, mais okay, alors là je suis dans une zone où il y a des orures, hein. Donc potentiellement la chance de tomber sur un chromatique, ça peut être là. Allez hop! Viens avec moi, Zoria Chromatique! T'en as un autre? Non, tu crois? Non. Bah, GG. Ah non? Mais pourquoi il a pas voulu attaquer alors? Il est normal. Je sais pas, c'est peut-être un bug. Pourquoi il a pas voulu l'attaquer? C'est un bug. T'as eu pitié? T'as pas eu pitié de tous les autres, lui? T'as pitié? T'es pas un Pokémon! C'est pas un Pokémon, le mec l'a critiqué. Alors t'es vraiment pas discret toi le Pokémon. T'es vraiment pas discret. Zoria, t'es pas discret du tout. Mais Zoria qui s'est déguisé en Zoria, c'est ça? Non, 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 en Aéromite. Alors qu'il y a que des types ténèbres à côté de moi. Très bien. Au moins il est discret. Hein. Eh ben écoute. Oh les gens. Allez, c'est qui part à la recherche du Zoria. Aïe 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 aïe. Par contre c'est hyper pratique. Ok, t'as plein de Pokémon chromatiques, t'as plein de Pokémon ténèbres, etc. Mais c'est hyper pratique. Là j'ai vu une dizaine de Zoria côte à côte. Ah non mais je suis d'accord, c'est. Ouais, les.
c'est hyper pratique quand tu veux choper des Pokémon, on va dire rares. Tiens, bah hé, c'est que t'étais pas avec eux tout à l'heure, toi. Qu'est-ce que tu fais t'as tout seul? Oh, t'es normal. T'es normal. Le mec, t'es normal. T'es un rejeté. Je fais un aller-retour, j'arrive. En vrai, triste pour l'instant, j'ai pas trouvé de Shiny, j'ai pas trouvé. T'as fait une aura ou moi? Ouais, j'ai fait une aura. Allez hop, je retourne dans le bosquet tagué. Je suis juste hyper triste. Mec, j'ai l'ombre d'un piétacé. Il est où le piétacé? What? J'ai l'ombre d'un piétacé, mais il n'y a pas de piétacé. C'est quoi ce délire? Il est dans un truc. Il est où le piétacé? What the fuck? Je te jure. L'ombre maléfique, c'est un Pokémon mort. Je savais pas que les piétacés étaient type spectre et qu'ils pouvaient faire des fourberies. Hein. Aïe 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 aïe. Eux sont pas à l'état, ok. T'es pas discret, t'es pas discret. Toi t'es pas discret. Par contre, il y a beaucoup de piétacés, mais ils abusent là. Vous pouvez pas me le filer? Moi, il y a la dame qui me balance. Hey, je sais ce que tu peux faire pour donner des Pokémon chromatiques. Je fais quoi? Elle fait. Tu joues sérieusement contre tout le monde? Tu lui fais aucun cadeau? Comme à l'époque? Je fais ouais. Elle fait celui qui te bat réellement, tu lui en offres un. Hein. Je fais non. Je fais non, c'est pas. C'est pas méchant, c'est pas pour être méchant, hein, mais bon. Au moins elle te donne du défi, arrête. Oui, non, alors du défi, je veux bien. Mais sur le serveur où on est, avec elle, bon. Le défi, c'est pas qu'il y en a pas, hein. C'est qu'il en manque. Aïe 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 aïe. Non mais ils le savent les gens. Je leur ai dit déjà. Merde, ça va pas, j'ai appuyé sur le truc qui bleu. Non, ils veulent pas. Hein. D'ailleurs, je remercie en live hein, pour tous ceux qui se sont follow hein, sur TikTok. J'ai vu que le compte a explosé les 400 followers et pareil, la dernière vidéo, pareil,
a atteint la barre des 5000 vues. Donc merci en tout cas à tous ceux qui ont participé, merci à tous ceux qui l'ont partagé. Et j'ai vu vos commentaires, vraiment ça fait chaud au cœur. Vraiment. C'est quoi la vidéo ? C'est la dernière, c'est quand j'ai fait une transition cosplay avec Muzan. Hein ? Vu que je fais aussi du cosplay, etc., j'ai décidé d'en faire aussi sur le TikTok, et c'est vrai que bah, le dernier, c'est ça. Après, il y a une vidéo aussi, c'était 10K2 de vues, donc 10 200 vues. Ça, j'ai halluciné, hein. C'est la vidéo la plus vue de ma chaîne TikTok, en tout cas. Je pensais pas que ça pouvait exploser aussi les scores. Hein. Mais en tout cas, j'ai vu les commentaires qu'il y a eu sur la chaîne, vraiment, ça fait vraiment plaisir. Bah, il y en a beaucoup qui l'ont apprécié et autres. Bon, après, il y en a une qui a fait. Je sais pas pourquoi, à chaque fois je vois Muzan, j'ai envie de pleurer la pépé de Muzan là. En fait, c'est parce qu'il y a une pépé aussi de Muzan à côté du cosplay et autres. J'ai fait bah, parce que c'est un démon, peut-être. Et que les démons sont souvent appréciés. Mais jamais fait, pratiquement. Parce que les gens préfèrent les gentils, les héros, alors que les méchants, les antagonistes de l'histoire, bah, en fait, ils les font pratiquement pas. C'est un peu dommage, je trouve. Bah c'est les gens quoi. Bah en gros quand tu vas en convention tu vois beaucoup trop le même perso et ça c'est un peu con quoi. Mais bon. Vous voulez pas me donner un putain de shiny nommé PTSC ? T'en déconnes ? Moi je sais pas, j'ai déjà eu deux chromatiques. Bah, je sais pas, moi il veut pas. Là aujourd'hui ça veut pas. J'ai décidé de reprendre, ils veulent pas. C'est quoi ce délire Ouais, remboursé, je suis pas content, jamais rien. Est-ce qu'on est nul ? Non, mais ça selon certains. Non, mais je plaisante, hein, bien sûr. Suite à la mise à jour récente, ils ont enlevé quelques Pokémon. Est-ce qu'ils pourront en jouer moins ? Bah, tant mieux, ouais. À ce qui paraît. Bah, je pourrais pas te dire là, je suis en train de faire. Il reste 12 minutes sur mon aura et j'ai toujours pas de chromatique là. On va le trouver dans 20 minutes, c'est ça que je veux dire. Ah, ça va. T'es plein pas. Or, si. Ferme ta gueule, t'es plein pas. Ferme ta putain de gueule. Non. C'est vrai. Je me plains si je veux. Non, tu fermes ta gueule, non, mais je rêve. Y'en a certains qui sont pas chanceux. Et bah ceux-là je les emballe. Et bah tu fermes ta gueule. Il est malchanceux là hein, allez vous faire voir. Ah bah tu vas fermer ta gueule là. C'est pas parce que vous êtes malchanceux que tout le monde doit l'être, ok? Non mais je vois ton caractère là, non je vois ton chara-design là. C'est quoi Zélire, bordel de chibre. Ça va me faire penser à la malamandre. Pietassé, il est juste type glace ? Ou il est aussi un autre type ? Non, juste type glace. C'est ouais. Que glace ! Cascouille. Bonne chance pour le trouver ! Cascouille. Voilà, je vais chier à la gueule. Et je le rote à la gueule. Je vais chier à l'arrêt. De toute façon dans tous les cas il y avait déjà un Pokémon en tout cas que je voulais faire, c'était le Bizarroi, c'était sûr et certain. Bizarroi c'est mort dans une team glace, je le fais obligatoire. Bizarroi. D'accord. Pas moi, parce que l'arrivée de Fenard veut dire aussi Fenard d'Alola. Ah oui, non, mais je te parle en globalité, ouais, mais même dans la nouvelle team. En globalité, moi je t'avoue que je mettrai pas. Je mettrai Blizzaroi, il se prend en x4 contre un Pokémon feu, tu vois. Donc, ouais, non, mais oui, je sais, je suis con. Mais
Après, t'as. Tu sais, ça, c'est les risques du double type aussi, hein, mais. Ouais, certes. Mais comment dire, il y a beaucoup de tokens pour des attaques de feu quand même. Ouais, non, en fait, ça dépend mais sur quoi tu tombes. C'est. Faut savoir jouer, on va dire. Faut savoir jouer et faire attention à ce que tu as en face. Ouais, c'est ça, et en vrai, c'est trop plus de tête des tokens de double type. Regarde, je dis ça, mais. D'avoir mon canino qui suit, tu vois, c'est bien. Canino qui suit, vous pouvez être sur les moi je pourrais. Et stratégique aussi. Et en réalité, il est même préparé, ce connard. Il a fait la prépa, les yeux. Ah ouais, non, j'ai préparé 127 Pokémon sur Pokémon. Ah, tu vois, j'aime pas tout ce que j'ai préparé. Hein. Putain, il ne veut pas pop. Ah, 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 ah. Bah enfin, tu veux pop, connard. Voilà, enfin, t'es là. Là, je me suis fait référencer avec la queue que tu m'avais dit qu'elle était un peu orangée. Bah ouais, les c'est là, la, la nuit, je le voyais pas. Ouais, mais là, c'est là le. Ouais, non, mais là, j'ai. J'avais pas la différence en fait avec. Là, j'éclaire. Hop là, c'est bon, je l'ai en shiny. Let's go! Ok, ok. Mais en vrai, Ténèbres, tu sais que j'ai hésité d'en faire une, hein. Vraiment. Il y a des beaux Pokémon, ouais, qui m'intéressent. Bah, ils sont géniaux, les Pokémon de Ténèbres. Après, moi, je suis plus au Team Spectre, hein, personnellement. Non, mais je me rends compte que, quand même, ma Team Spectre, t'as quand même foutu dans le mal avec ta Team Ténèbres, alors que t'avais l'avantage, hein. Mais à l'époque, on avait fait sur la 8G. Normal. Bah avec ton Absol qui me cassait les couilles, avec ton Zoroark aussi, ton Crocorio que t'avais fait. T'avais fait ces trois là que je m'en rappelle. Les ouais autres, ouais, je m'en rappelle bah plus. J'ai en fait j'ai focus une stratégie sur les trois et je voulais pas faire une stratégie sur les six. Parce que en gros c'est la simple bonne raison que moi je m'amuse avec les potes. Et je suis pas ici pour démontrer le moral. Ouais. Non, bah non, honnêtement, ce que je veux moi, c'est jouer avec les potes, tu vois. Ouais. Regarde, c'est comme le fait, je connais beaucoup de personnes qui jouent à Among Us maintenant. Among Us. À part Rusty, que je sais qu'il a jamais joué, je sais que d'autres ont déjà joué et qui peuvent me casser la gueule, tu vois. Bah ouais, j'ai déjà joué auparavant, mais ça date tellement. Oh putain, tous les putains de Kadozo qu'il y avait, dommage qu'il y en a qui n'étaient pas shiny. Hein. Le Kadozo en shiny, il est beau. Le bleu là? Non, il est pas bleu quand il est shiny, le Kadozo. Bah si, sauf le paradoxe qui est gris, mais il est bleu. Je le voyais plus violet, moi, personnellement. Oh, oui, il est bleu. Il est bleu? Je croyais qu'il était plus violet. Ouh, on m'intrigue, attends, je vais voir ça après. Moi, c'est combien de temps là? 7 minutes, j'aurais toujours pas de climatique. En tout cas, je suis content, j'ai celui que j'étais en train de chasser, donc ça va. J'ai eu le bal balèze, c'est celui que je chasse. Kadozo, putain, il y en avait 5-6! Bordel! Mettez-le moi, s'il vous plaît, pitié, il reste 4 minutes! Après, il y a aussi Exagel que je n'ai pas eu. Ça pourrait être intéressant. Alors,
je sais que je suis en train de te faire la chasse, Zoruya. Mais faut pas que tu te montres comme ça non plus, quoi. Un normal qui s'est montré comme ça. Il m'a attaqué comme si, eh oh, moi je suis là, hein. Je suis un auto de Jermaine, mais toi tu peux pas. N'empêche, il y a une qui s'est intéressée aux traumatiques. Ça me fume. Ouais. La réponse me fume, hein, quand même. Maintenant, il s'intéresse. Bah, j'aime pas ça, hein. Mais c'est juste parce que c'est plus facile de les avoir maintenant et que je peux casser les couilles. Il faut être honnête là-dessus. Honnêtement, la chasse aurait été aussi compliquée que l'époque. Bon, on aurait pas fait, je me serais un peu battu les pieds. Bah en vrai, si je serais tombé sur certains shiny que tu voulais, en vrai je les aurais fait, etc. Tu sais, si je faisais les yeux. Bah ouais, par exemple un Absol, Woot. Non, Absol, je fais pas. Alors là, l'Absol là, pas toujours Absol là, gna gna gna. Est-ce qu'on est mieux? Ah non, je veux que mes Pokémon aient mon nom en fait. Bah. Écoute, un œuf, Method Masuda, il aura ton nom. Ouais, mais alors, je vous viens. Mais si tu fais éclore et que tu sauvegardes parce que c'est un chromatique, et ben il aura pas mon nom. Non, mais tu t'as dit que j'allais sauvegarder, Michel. Tu gardes juste les portées 2 et après, voilà, je regarde. Tu sais, il y a une méta hein, pour ça. Au courant, monsieur. Par contre, pitié. Je le sais. Bah, je voilà. Connais. Bah voilà. Il y a Lynn qui veut bien m'affronter en fait. Mais Lynn. Ouais, Ferry. Ah, j'ai pas envie de massacrer non plus les gens, tu vois. Non, mais moi je veux que je kiffe faire des combats, attention. Mais je veux pas massacrer des gens. Je veux pas massacrer des gens, tu vois. Non, mais à quoi ça sert de faire des combats que je suis un peu sûr de gagner, malheureusement, tu vois. Et Lynn, je sais qu'elle est pas très stratégique. Je me souviens pas, elle n'a pas de strat. Et j'ai peur, tu sais, qu'avec mon équipe, bah juste avec un, je déboîte quoi, tu vois. Oh, ça me fait penser à une personne que j'ai déboîté en 2 secondes avec juste un seul Pokémon qui a ragé et qui à la fin il a changé sa team et j'ai juste essayé de trolling et il m'a tué, mais parce que j'ai fait de la merde en vrai. Bon, ça m'a fait rire. Ouais. Mais tu vois, mais je vais être très honnête, ton poussin, je peux vite le counter, tu vois. Ah ouais, non, mais il est facilement counter, mais oui. j'en ai fait 2 en globalité, hein, donc... Mais je sais, mais quel que soit le Pokémon, tu peux le counter, tu vois. Ça, c'est... Counter une équipe, c'est facile. Bah, oui, le vouloir, c'est autre chose. Tous les Pokémon sont contrables, donc... Ouais. Ah, tu regardes, bah après... Mais la dernière fois, il y a une personne qui m'a défié avec mon Emelios. Et il a bombardé en attaque haut, hein, vu que c'est un Emelios. Et bon, mon Emelios. Ah, c'est pas qu'il a croix éclair, quoi, mais c'est qu'il a croix éclair. Si, tu n'es pas obligé de mettre un Pokémon en fait. Non, mais en gros, la personne, elle a vu mon équipe, elle a pris 2 Pokémon haut. Juste pour essayer de contrer mon Emelios, quoi. Une débile. Bah ouais, et sachant que Emelios, le mien, peut apprendre des herbes aussi, tu sais, bah on peut apprendre des herbes à Emelios. Ouais. C'était ultra, ultra, ultra facile. De... comment dire. Évolution de Pietassia du coup. Let's go.
tous les cas, elle attaque avalanche. Magnifique enchaînement. Total balèze, elle est stylée de ouf. L'attaque avalanche de base, elle est bien. Bon, bah, j'aurais eu deux Pokémon chromatiques en 30 minutes. En 30 minutes, j'en ai eu un. En vrai, ça a pas changé. En vrai, c'est toujours autant pareil, je trouve. Après, c'est. Hier, je me suis baladé en une heure, j'en ai trouvé 4, quoi, tu vois. Ouais, non, mais c'est pour ça, hein, je t'ai dit, je pense que ça peut pas trop changer. Hein. Voilà, donc, bon, niveau. J'ai quand même la dernière minute, etc., mais je pense pas en trouver un. Ok. Je pense vraiment pas le trouver, mon démon, mon Zoria chromatique. Alors, ok, la capacité grêle, ok, la vitesse, ok, ok, ok. Pourquoi pas? Ah, ça peut être connard, parce qu'en vrai. Il a quand même trois talents quand même assez sympa. Isogresse, chasse-neige et sans limite en vrai. Ouais, mais le mieux ça serait chasse-neige. Dans une par rapport à grêle, oui, non mais je suis d'accord. Mais en vrai, Isogresse ça peut être sympa aussi. Mais c'est vrai que chasse-neige c'est hyper important par contre pour la team glace. Et par contre, les sans limite en vrai, avec son attaque et plus la capacité que je vois. Ça peut être sympa quoi. Ah, après tu fais comme toi tu le sens. Bah mais non mais c'est pour ça que je suis en train de chercher. Par contre ça m'étonne qu'il. Personnellement, je le verrais plus comme ça, en vrai. Attends, il est quoi, là? En plus, celui que j'ai, il est en modeste. Oh, putain, l'enfer. Quel enfer. Il est pas la strat que je veux. Il est pas la strat que je veux. Du coup, dans tous les cas, je vais le changer, donc... Pour augmenter son. Alors attends. Vitesse, mais augmente attaque, donc plutôt jovial. Putain, des arômes joviales, j'en ai 12 quoi. Donc ça, c'est bon normalement. C'est de voir le bordel. Déjà. Ah, c'est bien quand tu mets utiliser une capacité, ça met les capacités qui peut apprendre en fait seulement. Oh, c'est cool ça, j'étais pas courant de ça. En gros, tu sais, quand tu vas dans le Pokémon, tu vois, tu as réapprendre, oublier et utiliser une CT. En vrai, quand tu vas dans utiliser une CT, il n'y a que les CT que tu peux apprendre. C'est cool.
Non mais c'est cool en vrai, j'étais pas courant de ça. T'as jamais fait attention? Toi non plus t'avais pas fait attention? Si, j'ai déjà fait attention moi, mais toi, t'as jamais fait attention? Non, non, depuis le début. Ouais, mais j'ai jamais fait attention, c'est pour ça, j'ai... Moi, il va falloir que je fasse... Non, je crois que c'est plutôt de l'aide qu'elle demande. C'est pas... Ah, j'espère. Ça me fait chier parce que... Tu me dises avec la capacité grêle, ok, enfin, ça augmente son talent, etc. Mais si alerte neige, le Pokémon invoque la neige quand il entre au pouvoir, en fait, alerte neige, ça fait l'équivalent de grêle, on est d'accord. Bah, c'est plutôt maintenant si la grêle ne fait plus trop de dégâts, plutôt il fait tomber la neige, quoi. Ouais, grêle fait tomber la neige, mais alerte neige, c'est aussi pour faire tomber la neige, donc invoque la neige, donc en gros les deux... C'est comme sécheresse avec Zénith, quoi, c'est exactement pareil, c'est autre que c'est un talent. Ouais, c'est ça. Alors quoi, donc le talent, c'est bon, je l'ai. Moi, c'est un Pyrax combat 6 étoiles, hein. Pyrax 6 étoiles, ouais. Ouais, je vois comment je crois. Résumé. Tac. Déjà, je vais pas le renommer tout de suite. J'hésite encore comment le faire. Déjà, le talent. Sache mes sacs, c'est pas de dire. N'empêche, puis le talent, j'en ai 52 et pêche talent, j'en ai 7. Ah oui! J'en peux plus, j'en ai marre. Je crois que j'ai un peu trop de matos, cher ami. J'ai pas fait exprès. Il est magnifique. Mais attends, il y a Nucleos qui vont pas tarder à revenir. Oui, avec Symbiose. Oh là, ma team 5, je vais pas revenir. C'est parce qu'il y a retour de Pashmina aussi. Oui. Ma 12 de Pashmina. Oh là. Ah, j'hésite encore. Comment je vais pouvoir faire ça? C'est là tu m'embêtes un peu, Valbalaise. Valbalaise, il m'embête un tout petit peu. Alors, attends. Non. Protéine, ok. Parce qu'il y a plusieurs façons en fait que j'aimerais le faire, mais le problème c'est que.
dans les teams, etc. Faut pas que j'utilise les mêmes Pokémon, donc je peux pas en faire un deuxième, tu vois. C'est ce que j'essaie en fait de me faire comme objectif. Bah, parce qu'en fait, même pour les objets, etc. Je vais peut-être les utiliser en classé, etc. pour test en même temps. Et en même temps, voilà, j'essaie en fait de faire des teams un peu façon classée, mais voilà, à ma façon, en gros, là, je vais faire la team glace, je vais faire la team spade, etc. Je vais faire des monos, je vais faire aussi ma team master, tu sais, une full mélange, etc. Donc, faut te mentir, quoi. Le bal balèze. De toute façon, avec. Ok. On va faire comme ça. Bien. Vitesse. Ça c'est bon, donc l'attaque a été augmentée. Wesh, non, Storm, tu montes pas. Tu ne montes pas. Non. Ça hop là. Et reste un peu. Voilà. Normalement, et sur cette. Ok. Par contre, le balbalès 470 vies en pratiquement rien augmenté dedans. La vache. Ah, moi, il va me falloir des épices là, je t'avoue. Ouais. À ton avis, si par exemple Balbalèze, il a, en fait Jigota, ça fonctionne comment? Parce que je dis plus ses PV sont bas, plus voilà. Donc ça veut dire s'il est à 1 PV, est-ce qu'il va faire des monstres dégâts par rapport à quelqu'un qui a que 200 PV en max ou pas? Ça joue avec les PV max ou pas? Ou pas du tout? Bon, répète, je sais pas si j'ai pas compris. En gros, j'ai une attaque qui peut être intéressante, Jigotage. Sauf que. Je voudrais savoir comment ça fonctionne parce que là ils disent le lanceur attaque en gigotant dans tous les sens, plus ses PV sont bas, plus l'attaque est puissante. Bah, ça veut dire, est-ce que non, si pas. C'est pas le PV max, c'est pas le PV max. C'est le PV restant. Ouais, c'est le PV restant. Par exemple, au niveau 100, dis-toi que mon balèze a maximum 482 points de vie. Je l'ai pas du tout augmenté, il a pas du tout activé dedans. Tu vois le délire? Moi le mien il est à 475 perso. Il est niveau combien là? 100. Attends, je vais aller voir. Ah si, il a été au max. Ah si, il a été maxé, pardon. C'est 482 au max. Je l'augmente en tout sauf en attaque. Le lanceur enveloppe ses jambes d'une fine couche de glace et heurte la cible en tournant sur lui-même. Ses rotations détruisent le champ actif sur le terrain. Ça enlèverait pas normalement, en toute logique, la grêle.
logique. De quoi? Créo Pirouette. En gros, ça. En gros, ça enlève les. Attends, je te relis le bordel. Le lanceur enveloppe ses jambes d'une fine couche de glace et heurte la cible et tournant sur lui-même. Ses rotations détruisent le champ actif sur le terrain. Grêle, je crois. Ah, oui, le champ, non, c'est pas. C'est ouais, pas non, un c'est, champ, les, le c'est les champs, c'est les champs électriques, je sais pas quoi, de mes fesses là, les. Ah. Ouais, c'est. Par exemple, tu l'envoies pour contrer par exemple ma Florgesse qui met son champ brumeux, tu vois. Ouais, non, mais voilà, c'est le champ brumeux et autres. Moi, je te conseille de mettre Avalanche par contre. Non, mais je l'ai déjà, t'inquiète pas, je l'ai mis, même si ça me fait chier parce qu'en fait, Avalanche, mon effet secondaire, ça va pas l'avoir. En vrai, pour l'instant, il l'a, mais. Bah en fait Avalanche, c'est pas c'est l'attaque Avalanche. T'as vu son effet ou pas? Oui je sais, non mais Avalanche, et s'il se prend des dégâts, il fait plus enfin sur le même tour en fait. Ouais mais il laisse passer, en fait il laisse le Pokémon attaquer en fait. Ouais je sais. Donc c'est à double tranchant, certes. En moi tu veux savoir ce que j'ai exactement? Non t'inquiète, je vais essayer de me faire ma coupée de dessus parce que. Je suis en train de regarder, je suis en train de checker si c'est déjà fait. Ok. Pour tout ça, voilà. Donc, what the fuck, attends il fait comme ça vraiment. Il peut apprendre peut-être le trépignement. Si on fiche les gars, tous les Pokémon autour de lui baissent aussi leur vitesse. Ça peut être cool ça en vrai. Même s'il a déjà vitesse infinie, enfin par rapport à l'autre. Oh Storm. Ah, je l'ai pas encore. Comprends pourquoi tu veux me faire des câlins? T'as fait un trou dans mon oreiller? Le bâtard. Ça se mange pas un oreiller? Eh Fifi. Ça se mange pas un oreiller? Le chat qui fait des dégâts un peu trop. Non, c'est ma chaîne. Ah, oui, c'est vrai que. Ma chaîne est là pour 2 semaines. Au bout de 4 jours, elle bousille déjà mon oreiller. Tac le jour qui peut être sympa. Très sympa. C'est numéro combien? Genre, je peux lui. Balbalaise l'endormi. Je lui associe le ruban en insigne actuel. Balbalaise l'endormi. L'enfer. Attends, le mien il a quoi comme insigne? Tac 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 tac. J'ai aucun. Comment dire? Pour mon Sazario, j'ai aucun ruban. 700 kilos, le bordel. Il fait 700 okay. Kilos la bestiole, le balbalaise. Ouais. Ouais, donc tac le lourd, ça peut être sympa. Je dirais pas, mais oui. Ah putain. Il y a
après un petit séisme dans la gueule, ça fait toujours plaisir. Ou terrasse, bah terrasse plus ou moins, mais séisme en tout cas, ça me fait toujours pas plaisir. Un petit séisme, est-ce qu'on a... Ouais, moi je te conseillerais avec ça une attaque qui peut faire venir la neige au cas où. Comme ça, au moins, tu peux faire ta stratégie avec. Non, je sais. Avec avalanche, trio pirouette, attaque le lourd. Moi, c'est ce que j'ai. C'est ce que je pourrais faire en vrai. C'est même pas ce que c'est ce que j'ai, c'est ce que je pourrais faire. Moi j'ai mis éclat griffe à côté, éclat glace pardon. Attends, mais, j'en mais ça veut dire aussi que s'il y a sablé rose, il y a le sablé rose d'Alola. Oui aussi. Et ça, c'est intéressant. Non mais je sais ce que j'ai mis en fait en temps d'attaque. Ça me fait chier, séisme je le mettrai pas, mais en vrai je sais ce que je vais mettre. Et je crois que t'as une zone. Ah bah non, j'allais dire n'importe quoi finalement. Normalement si j'ai pas de conneries, j'ai déjà mis les 3 attaques on va dire. Sympatoche. Je vais aller parler au PNJ là qui donne qui dit les tailles des Pokémon qu'on a. Sur Avalanche, la capacité d'Avalanche en fait c'est une capacité dont la puissance est doublée si le lanceur a été blessé par la cible durant ce tour. Seulement c'est tout ce qui est indiqué. Mais je te le dis, ça ralentit le Pokémon, hein. Ça te ralentit vraiment en fait. C'est un peu comme riposte j'ai l'impression. Mais si un Pokémon est plus et de base moins rapide que toi, tu attaques quand même en premier. Oui, donc ça, je sais pas pourquoi. Oui donc voilà, ça va pas à ta vitesse, donc en vrai Avalanche c'est pas le meilleur move en fait à faire. Ah, je te le dis, ça ralentit ton Pokémon. Ouais mais vu la vitesse de mon Pokémon. Il est pas rapide en vrai. Bah il a quand même 259 de vitesse le mien vu que je l'ai fait en jovial et Le mien aussi. Attends, alors E2, ah E4 là. Il est à peine plus petit que la moyenne qu'en Ebre, bon, j'en étais sûr. Pour Belin. Ah, il est géant. Pour Belin géant. Mascaïman. Mais il est tout petit. Mascaïman est tout petit, je vais avoir un Crocoré, mon abus. Tu vois un abus. Bon, et Malos, il est normal. Brutalibré, il est. Il est à peine plus petit que la moyenne, bien sûr, ouais, vas-y. Hein. Ouais, à part un de mes Pokémon, les autres. Et Bilib, mon balbalas chromatique. Bilibili. Il est apparemment plus petit que la moyenne, un peu plus petit. Ouais. Et Zazario ? Il est dans la norme. Mascaïman, t'aurais pu faire un effort et être un peu plus grand, non ? Je te le dis. À quoi ça me sert d'avoir des Pokémon tout nimbus ? Ils vont pas être remarqués, quoi. Ok, elle va être forte, mais quand même. Putain, ils me font chier. Et comme je disais, je sais pas ce qui va se passer quand on va envoyer nos Pokémon barons. Ah non, Ouais. Je sais pas du tout. Je pourrais pas dire. Est-ce que tu connais les noms des deux autres ou pas là, des Pokémon légendaires qu'on va avoir? Non, pourquoi? Alors, en fait, tu
as le disque Indigo, le Pokémon de disque Indigo? Moi j'ai son nom, l'autre je l'oublie, je t'avoue. Le disque Indigo il s'appelle Terrapagos. Terrapagos? Ouais, j'ai l'impression. C'est avec le noir et blanc avec la tortue là. Bah j'ai eu l'impression que c'était ça, mais il lui ressemble pas des masses. À part une carapace, mais la carapace elle ressemble pas du tout. Donc l'autre ce serait avec Non. Alors on pensait à Aeropteryx, tu sais. Mm-hmm. Mais moi j'ai plutôt l'impression de voir un Machaldo. En fait tu peux voir ça directement quand tu fais X. Tu sais quand t'es dans le menu. Et tu vois en dessous de sauvegarder t'as le contenu téléchargeable. Ok, ok. Et j'ai l'impression de voir Marshaldo dessus. Un gros Giga Impact avec, je sais pas si ça peut faire quelque chose, mais. Giga Impact et Ultra Laser, j'aime pas trop les utiliser. Giga Impact et Ultra Laser, j'aime pas trop utiliser sur ce Pokémon. Sur tous les Pokémon. C'est deux capacités que j'essaie d'oublier en fait. En toute logique, lui il est emmené aussi. On va déplacer. Par contre. Haru. Haru Kojo là. Putain la vache. Haru Kojira. Haru. La vache, le nom Aram. Mais ça correspond bien avec son truc. Dans ma team glace, en vrai, j'en ai déjà deux qui sont faits que je voulais faire. Par contre, là, les prochains, je ne sais pas lesquels faire. Lesquels je pourrais faire dans cette team là? Tandis que tu vois, Spectre, tu vois, j'ai énormément de choix, etc. Je sais lesquels je vais faire. Là, Team Glace, en vrai, la team elle m'intéressait pour 2-3 Pokémon, mais. J'ai hâte surtout que les Pokémon de Team Glace haute. Cravoux Minable qui fait partie aussi des combats glace. Cravoux Minable. C'est quoi ce stat à lui? Crabominable, il a quand même une très très bonne attaque. Ouais. Par contre, Crabominable, ouais. Ça peut être vla chiant avec le talent colérique parce qu'en gros, s'il se prend un coup critique, mais là, faut le faire, tu vois.
Merci par contre. Salut à toi Kuro. Je passe quand même vous dire un petit coucou. Ça marche. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Ça va, ça va. Un peu encore mal au doigt, mais ça va. Tu te rétablis, mon DJ. Mon cher DJ. Moi, ça va. Ça va. Et moi, j'ai pas tardé à faire les deux. Les... Quoi, les deux? Je vais voir si je peux ou pas. Ah, mais vous êtes sur Pokémon, les deux. Du coup, tu vas faire les deux Pokémon. Je vais faire les deux, là. Et... Allez-y. Ouais, et moi je vais aider après, plus tard, pas aujourd'hui, peut-être demain, tu vois. PO et Lynn pour les raids. Donc si jamais tu veux passer, tu viens. Bah ouais, je peux les aider aussi, hein, s'il faut. Hein. Ouais, aussi, t'inquiète. Parce que j'ai déjà terminé moi personnellement, mais. Oui, ça va, j'ai abandonné Pokémon, du coup. Mais je reviendrai en force, un jour. Ok. Non, je rigole. Non, je suis moins motivé ces derniers temps à jouer à Pokémon. Oui. Bon, moi, je peux juste dire bonjour. Du coup, ça marche. Je repars. De toute façon, je reste en lurk sur ton live, je suis tout le long en lurk. Et je garde ma place de first. Ah là là. À plus. Ça marche, à peu près. À plus. Ah, en vrai, j'y vrai dit, avec rideau de neige ou corps gel, ça peut être sympa. Si vraiment j'aurais pas le choix, j'aurais pas un Givrali, mais... En vrai, Givrali, j'ai pas envie de le mettre. Parce que Givrali va faire partie de l'équipe Fania, je pense. Ah. Ah, peut-être un petit mouret, en vrai. Mourir que tu voulais faire aussi, mais ouais, Vas-y, un petit dimoré déjà. On est quoi? Donc la nuit. La griffe razor, je peux l'avoir. Ouf. La griffe razor, je sais plus c'était où je peux l'avoir, dans quelle boutique. Je crois que c'est ça, c'est griffe razor qu'il faut. Vous m'aurez, c'est griffe razor et je crois la nuit est dernier niveau. Griffe razor, ouais, c'est ça. Griffe razor nuit. On va un dimoré shiny ou un dimoré normal. Ah, je suis désolé, hein, je préfère vraiment le normal. Le shiny il fait un peu space, hein, je trouve. De qui? Le seul dimoré. Oh, il est jaune normalement, non? Jaune et rose. Est-ce que je fais le shiny ou je fais pas le shiny?
Au pire, vas-y, on va faire que le shiny. De toute façon, le shiny, il fallait que je le fasse aussi. Donc, vu la couleur, de toute façon, du bordel, je pense qu'on va prendre la femelle. J'ai un mal et une femelle, donc on va prendre la femelle. Donner un objet. Les gens qui disent ouais je boycotte tel et tel jeu, etc. Pokémon je boycotte. Oh là là. Ça sert à rien de boycotter un jeu comme. Ça sert à rien de boycotter les jeux Pokémon les gars. Fallait le faire bien avant. Pourquoi ils veulent le boycott? Parce que à ce qui paraît il est nul, trop simple, etc. Mais t'as les gens qui ont farmé les raids, etc. pour avoir les bonbons quoi. C'est ça. Faut pas non plus être teuteux quoi, putain, pitié. Hop là, let's go. Quoi, Timoré? On va avoir un Timoré, quoi? Que nini? Ouais non, il est quand même space en... Shiny, je te jure. Voilà. C'est au milieu de la globalité. En plus, le mien il est même pas strat aussi. Par contre, il a déjà pression, ça c'est cool. C'est qui? On est moré. Il a pas un talent caché lui? Pickpocket. C'est pas plus intéressant que. Non, parce que vu ce que je compte lui mettre en vrai. En fait, ça dépend. Ouais, il a déjà une bonne vitesse, mais pas cette attaque, ok. Déjà il partira sur ça. Oh putain, c'est vrai, j'ai un coconut chain. Quoi? Un coconut chain. On va augmenter sa vitesse. Hop là, les go. Et parce que c'est vite. On va faire une stratégie classique.
Hop là. Ok. Et le reste, en vrai, allez, en santé. Et juste un truc au cas où, pardon. Ouais. Si jamais tu cherches un tombero, etc., chromatique, fouille dans... Utilise une aura spectre, chromatique, tu sais, voyance. Ouais. Et va dans les... Va dans le monde AP, parce que vu qu'il y en a plein qui pop là-bas... Ouais. Pareil, hein. C'est là-bas aussi que tu peux choper des... Comment dire... Des garde-voir. Ok. Tu mets fait là-bas. Si je me plante pas, c'est fait ici, mais je sais plus lequel c'est. Et tu as que eux en fait. Ça peut être sympa. On va lui apprendre. Ça, on va lui apprendre. Baston, quand même la capacité baston. En fait, baston, c'est plus ta Pokémon dans ton équipe, il va faire des coups, mais c'est pas fort non plus. Ouais, non, mais je sais. Hein, c'est... Alors, ça peut être sympa. C'est pas un jeu que j'ai reçu, c'est un skin. T'as reçu un skin? J'ai reçu un skin pour un jeu que j'ai pas. Bon, c'est pas grave, hein. Au moins, dis-toi que t'as eu un skin gratuit. Moi qui compte pas de prendre le jeu, je le prendrai toujours pas. Et au moins, dis-toi que t'as eu un skin gratuit, et te plains pas. Le mec il se plaint d'avoir des skins gratuits. Alléluia! Ça t'étonne? Allez, mal va l'âme. Hmm.
Keko seront un peu plus informatiques. Si une personne n'est pas prête, alors que trois sont prêts, je crois que le raid va s'annuler. Je crois que c'est allumé directement sur Pokémon. Ça. 20 secondes, putain, on a attendu 3 minutes parce que Louis. Ah, il s'en fait du prêt. Objet, est-ce que j'ai l'objet que je voudrais lui mettre là? En termes d'objet, je suis en train de chercher ce que je peux lui mettre. En attendant. Et bah qui c'est qui s'est fait one shot? C'est Keko, c'est que c'est Pokémon. En vrai ce serait une équipe à test en vrai. Voilà. Et petit mouret. L'âme psychique renommée. Manura. Ouais, je suis l'âme fucky. Coup critique. Hop là, let's go. Ça va, dans la team strat déjà, on a Bizarroi, on a Balbalaise et on a Jim Rock. Déjà. Ils savent pas utiliser leur truc. En vrai, pour nous, la team strat, on la continuera plus tard. On va stop là, en tout cas, le live. Merci en tout cas tous ceux qui étaient présents. Merci à vous. Merci en tout cas ceux qui sont restés en lurk. Moi de mon côté, je vous fais des énormes bisous. On va stopper là le live. On reprendra du coup un prochain live vendredi. Ouais, du coup, dans 2 jours. Et bien évidemment, à voir ce qu'on va pouvoir faire. Mais on va essayer de se préparer pour la classée duo. Enfin, j'espère que ça va bien se passer. Mais. Yo, je suis pas très très avantagé, je suis plutôt habitué en solo.
Mais en tout cas, voilà. Moi, de mon côté, je vous fais des énormes bisous. Je vous dis ciao, bye, et bien sûr, à une prochaine pour de nouvelles aventures.